Ok. Ah, tu trouves aussi sur YouTube, n'est-ce pas? En fait, je croyais que c'était la page YouTube que tu m'envoyais dans le... Donc là, je réouvre YouTube. Oui. Là, je suis sur ton YouTube. Que tu aussi au même moment. Au même moment que nous parlons. Maintenant, je vais créer une bannière préparation de la conférence sur les maladies rares. Voilà, j'ajoute et j'affiche. Tu vois la bannière qui passe, non? En bas. Regarde un peu au niveau de ton écran, en bas là. Ah, Oui, c'était comme ça que la préparation de chaîne la qui est conférence, c'est ça? venue. Ah ouais. Maintenant, en haut, là où il y a propulsé par Stream, il y a en principe, quand nous sommes en version, en abonnement supérieur, tu mets le logo de StreamYard ici, en haut là. Tu vois ça, n'est-ce pas? Maintenant, là où c'est écrit en direct avec StreamYard, ça, on peut aussi enlever en abonnement supérieur, on met juste le logo et on écrit ce qu'on peut écrire. Mais néanmoins, je peux peut-être enlever ça. Je peux masquer. Oui. Oui. Maintenant, le logo, je ne peux pas parce qu'il me faut avoir un abonnement pour changer le Oui, logo. il y a des parasites dans la conversation là. C'est parce que nous sommes en version d'essai. Donc, sur YouTube, ça va déjà, non? Sur YouTube, je vois. Maintenant, donc, comment donc, attends, partager le lien. Et partager le lien. Partager le lien parce qu'il faut partager ce Mais lien. Il y a déjà une je suis personne un dont peu je suppose que c'est toi, là, l'enseignant. j'entends plusieurs voix à la fois. Du coup, il y a la voix même de StreamYard et il y a la voix de YouTube. De Donc, YouTube, il faut voilà. pouvoir faire la différence. Justement, maintenant, ici, c'est quoi? C'est que YouTube. C'est pour toucher le large public. Tu vois, parce que celui qui est dans YouTube ne peut pas intervenir. C'est celui qui est dans StreamYard qui intervient. C'est comme, par exemple, les D'accord. panélistes, non? Tu vois un peu? C'est comme les panélistes. Les panélistes, quand, par exemple, on appelle le correspondant de Douala et que celui qui appelle le correspondant de Douala est à Yaoundé. Toi qui es en France là-bas, toi, pour que tu puisses intervenir, il faut qu'on puisse t'ouvrir un pan. Par contre, avec le nombre de Ah oui, panélistes que je demandais, excuse-moi, je n'avais pas détecté rapidement qu'en fait, il faut que je mette pause à YouTube parce que ça me faisait plusieurs voix. ah, ouais. Donc, tu Ah, disais que celui tiens, ma qui est finale. sur YouTube, en fait, lui, il n'a pas le lien StreamYard, il n'a que le lien de la visio sur YouTube. Voilà, justement. Oui. Ça fait donc que Allô? celui qui... Allô? Oui, je t'entends. Allô? Allô? Oui? Tu m'écoutes? Allô? Allô? Oui? Attends.
Allô? Allô? Oui. Oui. Donc, je disais tantôt que Allô? celui qui a à qui on envoie le lien YouTube, il n'a pas forcément le lien de. Il n'a pas le lien de StreamYard. Il n'y a que les Justement. conférenciers qui ont le lien de StreamYard, c'est ça? Voilà, exact. Exact. Il n'y a que les conférenciers qui ont le lien de StreamYard parce qu'ils vont intervenir. YouTube, c'est parce que vous voulez faire une communication large. C'est-à-dire, quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas dans quelle ville dans le monde, il peut suivre. C'est-à-dire, il suffit que celui-ci ait le lien de ta page. Tu es en train de m'appeler. Oui, allô? Je ne sais pas pourquoi, mais le réseau, ça s'entrecoupe à mort. Je n'entends plus rien. Ah, alors que chez moi, c'est OK. Surtout que quand tu parles, vu que tu es en streaming, il y a ce qu'on appelle l'écho. Ah, d'accord. Justement, parce que moi, je t'entends parfaitement. Ok, mon bailleur avec son truc d'ici parce que c'est pas ma free à moi donc c'est de la free du bailleur et il partage avec nous ses colocataires. Mais tu ne peux pas acheter pour toi. Gars, mon frère, ça fait trop de dépenses. On gère d'abord le 20 000 machin et je n'ai même pas envie de donner mon argent au blanc. Je fais le strict minimum. C'est le blanc qui doit me donner l'argent. Non, ça c'est très très bien pensé. Ouais. Donc du coup, bref, en gros, ce que je te posais comme question, donc tu as certainement suivi, mais c'est moi qui ne suivais pas tes réponses. Donc sur YouTube, pour YouTube, on m'a juste envoyé le lien de la conférence aux différentes personnes qui Doivent être connectés. Et si on souhaiterait, parce qu'il faudrait que le lien soit aussi sur notre site internet. Justement, t'as dit, c'est parce que peut-être, c'est parce qu'on va faire un zoom. Après ça, on va faire un zoom. Je vais te montrer comment ça se configure. Oui, t'as dit, il te donne l'éventail possibilité quand tu n'es plus en version gratuite de mettre autant de liens. Tu comprends ce que je veux dire? Autant de liens que possible. StreamYard, autant de liens. Maintenant, donc, ton site Internet prend le flux où? Ton site Internet prend le flux chez StreamYard. YouTube prend où? StreamYard. Facebook, StreamYard. Tu vois, Twitter, StreamYard, ainsi de suite. L'avantage maintenant, alors, de tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est que après la conférence, les gens peuvent re-suivre ça en replay, sans suivre par exemple sur YouTube. Voilà. N plateforme. N. Je suis même en train, même, je suis en train de réfléchir. Peut-être laisser Zoom et utiliser plutôt StreamYard. Bon, c'est oui. Parce que StreamYard a cette possibilité qu'on peut toucher l'âge public. Par contre, Zoom est limité à 100. Tu vois un peu. Et Zoom. Oh, même 500 là, c'est petit. Si par exemple, tu veux toucher, par exemple, ta page, c'est vrai que je n'ai pas regardé le nombre d'abonnés. Si par exemple, ah, voilà, je prends. Voilà, je prends. Voilà, je prends par exemple ma page qui est à plus de 1500. Tu vois donc. Comme les gens savent que je diffuse, dès que je lance la diffusion,
Tu penses 500. 500 déjà, c'est minable. Or, il y a des gens qui veulent s'informer sur les maladies rares. Certaines personnes ont des maladies, mais ne savent pas que c'est rare. Certaines personnes ont des maladies, mais ne savent pas comment. Puisque dans la conférence, vous allez essayer de donner quelques approches. Comment peut-être voir les. Oui, justement. Donc, tu vois qu'avec StreamYard, peut-être je penche sur StreamYard parce qu'il touche plus de population via les plateformes de diffusion. Donc, raison pour laquelle je demandais combien de panélistes. Il y aura combien de panélistes? S'il y a par exemple. Voilà. Ça, ici, il y a 10 panélistes. Oui, voilà. Il y a plus de 10 panélistes. En réalité, voilà. Donc, ça signifie qu'il faut voir. Or, tous ces 14 panélistes doivent intervenir chacun à son tour. Oui, donc, tu peux prendre le compte de. Celui qui admet plus de 6 panélistes. Mais ça, c'est pas compliqué parce que Ah, bon, attends, attends. Attends. Oui, attends, donne-moi quelques minutes. Ok, tarification. Bon, attends, mieux même je partage. Tu vas voir, puisque là, on verra ça ensemble. J'accède au studio. Qu'est-ce que je faisais même? Donne-moi quelques minutes, je partage. Donne-moi quelques minutes, je partage. Qu'est-ce que je dois partager? C'est Google. Ok, Google Chrome. Je tourise. Ok, tu devais déjà voir. C'est bon, tu vois déjà. Sur StreamYard ou YouTube, parce que je me diffuse sur YouTube aussi. Tu dois voir mon écran. Ah, ça charge chez toi. Tu vois. Voilà. Ok. Voilà. Tu vois que le bailleur, mais je ne savais pas que les Français étaient aussi malhonnêtes. Je raccroche sur WhatsApp.
Exact. Et là aussi, Donc là, tu as fait le partage. Là, je suis sur StreamYard. Je repars voilà. sur YouTube. Mais YouTube, sur tu as, YouTube. tu vas voir que c'est le même truc que tu vas voir, c'est-à-dire la même diffusion. Tu vois que, regarde, maintenant, oui. Ah oui, comme j'ai mis pause Tu as mis pause. Ah non, tu sur as mis pause YouTube. sur YouTube. Voilà, oui. Ça va passer en live. Maintenant, tu vois, tu as 10 participants à l'écran avec le truc basique. Ici, 39. Tu as combien de participants? Tu as même soumis à On Air 250 spectateurs, oui. Voilà, c'est une plateforme de webinaire en direct, organiser un webinaire, une diffusion en direct ou un événement sur StreamYard ou intégrer le contenu de votre site internet. Tu vois déjà un Là, tu me peu. montres quoi pour le 20 $ là. Non, pour le 20 dollars, on dit vous pouvez accueillir jusqu'à 10 10, oui. personnes dans votre diffusion. Donc, tu peux envoyer 10 liens StreamYard. Voilà. Par contre, avec multidiffusion, c'est trois destinataires, donc trois plateformes, c'est-à-dire quoi? Tu peux, comme tu as YouTube, tu as Ouais. Facebook et ton Oui. site, tu vois un peu, avec trois diffusions. Ça, Ah, c'est ça. d'accord. Ça veut dire que Ah oui, mais là, il faut qu'on aille à plus de 10 participants à l'écran. Justement, maintenant, donc, je viens ici. Avant, à 39 par mois, on a là, on 12. est 250 spectateurs. La résolution est Full HD. On peut ajouter une caméra supplémentaire. 12 participants en coulisses. Ils disent que vous pouvez accueillir 10 sur votre en direct. Un maximum de 12 peuvent accéder au studio d'enregistrement afin de pouvoir changer aisément les participants. Si vous animez un talk show dynamique. Maintenant, tu peux diffuser jusqu'à 8. Donc, tu as par exemple, je prends un exemple, tu as YouTube, tu as le site, tu as Facebook, tu as Twitter aussi, parce que c'est que Twitter monte déjà en puissance. Tu as. Ça s'appelle comment là? Comment j'oublie ça? Le truc qui vient fort fort là. TikTok. Tu vois. Ah. Oui. Voilà. Maintenant, ça continue. Voilà. Tu as dit 14. Donc, c'est ça qui répond. Mince, le bon est incroyable de 30 à 79. Sont des bandits. Tu as 1000 spectateurs, stream est 1000 spectateurs, 15 en coulisses. Ils disent que vous pouvez Les accueillir 10. gens, les spectateurs, là, finalement, ils ne nous servent pas à grand-chose vu qu'on va déjà diffuser dans les chaînes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Voilà, j'avais encore une autre question parce que J'écoute. Il faut savoir optimiser. Maintenant, tous tes spectateurs là, ils sont éparpillés de par le monde, à part par Oui. exemple pour moi qui ne serai pas sur place. Les panélistes, non, les conférenciers. Les gens qui doivent. Tu parles là des gens qui doivent Intervenir, intervenir. oui. Oui, ils sont principalement en France et au Cameroun. Et chacun est chez lui, en fait. Ah, Sauf si pour les panélistes du Cameroun, je fais en sorte qu'ils se regroupent quelque part. ok. Ouais. Et là, ils vont peut-être utiliser le même ordinateur. Justement, c'est la solution. Oui. Pour pouvoir utiliser le StreamYard de 30. De 20, de 30, quelque chose, voilà, de celui-ci. Au Cameroun, ils sont combien? Ben, au Cameroun, il y en a 5 ou 6.
Il y a le psychologue, il y a les patients, ils sont deux, ça fait déjà trois. Peut-être les patients peuvent se rapprocher des psychologues, tandis que, mais la marraine, elle, c'est clair qu'elle ne peut pas, elle ne va pas quitter le chez elle pour venir. En fait, quoi que je peux lui demander, Françoise Non, Margot. non. Ah, ouais. Donc, en fait, Parce ça que si on signifie... réussit déjà, si on réussit déjà à regrouper quatre personnes au même endroit pour le même ordinateur, Oui, c'est ça peut cool. donner. Quitte à ce que dès qu'une Non, mais... personne peut intervenir, quittant devant l'ordinateur, la personne va simplement sur le lien YouTube et continuer à suivre l'émission sur YouTube sans plus Justement. avoir la Justement, main maintenant. dans les coulisses. Voilà. Maintenant, j'espère qu'ici au Cameroun, tu as une équipe technique avec, par exemple, ils ont les vidéos projecteurs, ils connectent tout. Ça fait que, parce que Vidéo comme ils projecteur, seront quatre, hein? vous faites quoi avec les vidéos projecteurs? Je m'explique. Quand nous faisons les visioconférences au ministère, Oui. c'est pas que chacun, c'est vrai, il y a un ordinateur qui est là, qui est souvent piloté par la CNT, mais nous projetons. Nous projetons, pourquoi? Parce que le ministre ne peut pas vraiment, faut pas déranger ce vieux père-là de venir se placer devant l'ordinateur qui est encore petit, c'est vrai, un laptop dessus quoi, ou venir regarder, non. Le ministre regarde le truc projeté, pas c'est plus grand. Maintenant donc, tu as donc par exemple, parce qu'en fait, pour ça, il y a une préparation à ça. Tu as donc quelqu'un, un personnel technique qui est là, qui s'assure que c'est technique. C'est-à-dire, par exemple, même avec même l'affaire de 20, on pouvait réussir. C'est-à-dire, le gars, bon, ça dépend si tu as ce matériel. J'ai le vidéo projecteur à la maison. Voilà, vidéo projecteur, le micro, a dit quand quelqu'un parle, que sa voix porte, que les autres de par le monde l'entendent. Parce que j'essaie un peu, rapproche-toi un peu de Jack, il sait comment ça se passe. Il est même dans ce service-là. Par exemple, je trouve que prendre 39, oh, si on peut déjà les regrouper, si on les regroupe dans une salle, qui est éventuellement climatisé, il y a tout un dispositif là-dessus. Non, un microphone, quand il parle, on peut l'entendre. Et quand aussi les panélistes, les autres panélistes des autres pays parlent, ils entendent. Donc, il te faut quoi? Le micro ou les microphones avec un haut-parleur et le projecteur, c'est fini. Ça fait que tous, Des il y a micros, un genre ordinateur. vrai micro? Micro comme Hein? dans une cérémonie? Oui, micro dans une cérémonie ou les microphones, c'est-à-dire les baladeuses là. Oui, ça ne coûte pas tellement cher. Voilà les trucs en principe que tu devais Baladeur, souvent acheter quand tu es là-bas. Quand tu es là-bas, c'est moins visio, cher. proche. Et le troisième truc que tu as cité, c'était quoi? Le haut-parleur, Le donc, c'est-à-dire les haut-parleur. speakers. Maintenant, donc, le projecteur, c'est-à-dire, lui, par exemple, le personnel technique, lui, là, son laptop, tu vois un peu, c'est lui qui fait tout ce qui est comme config. Et il configure tout. Maintenant, parce que le panéliste n'est pas technicien, vraiment, ne l'embrouillez pas. Le C'est ça. panéliste, c'est seulement Ça, qui tu vois déjà que moi-même, intervient. qui suis au cœur de l'action, je suis déjà embrouillée. Voilà. C'est-à-dire, le panéliste vient juste intervenir, c'est son travail. Le reste là, vraiment, ce n'est pas ses oignons. Par conséquent, donc, pour faciliter la tâche à ce panéliste-là, ici au Cameroun,
parce que les panélistes, quand même, européens, sont assez très cultivés. Hein. Donc, eux, ils peuvent s'en sortir. Ouais. Oui, ils sont très bons. Bah, surtout que eux, bon, chacun sera chez lui. Je ne vais pas leur imposer de se regrouper quelque part. Je n'ai même pas les moyens de leur demander de se regrouper quelque part. Ils sont éparpillés dans les régions de la France. Il y a d'autres à Paris, l'autre éventuellement à Strasbourg. J'attends encore sa réponse. L'autre dans la ville de Tours. Donc, c'est même impossible qu'ils se retrouvent. Alors qu'au Cameroun, tout le monde est à Yaoundé. Oui, voilà. Et tu peux les rouler. Et tu peux les rassembler à un lieu. Il suffit juste que le lieu puisse être à, hauteur, à la hauteur de leur grade. Parce que comme parfois ces professeurs agrégés sont parfois imbus d'eux-mêmes. Oui. Et ce professeur, c'est... simplement, les gens vont se regrouper chez le prof. Voilà. Ça fait donc qu'il y a là, par exemple, une table ronde, le gars qui est dans le local technique, bon, quand il dit local technique, c'est qu'il a son laptop qui est là, il y a quelque chose. Ouais. Voilà. Maintenant, si par exemple un panéliste a prévu les projections PowerPoint, il donne au local technique, le local technique prépare ça. Donc, en fait, c'est un truc que tu dois dès maintenant déjà à préparer et essayer de former quelqu'un là-dessus. Oui. Si, parce que j'avais vu la composition de ton site, j'ai vu que tu as un webmaster qui peut très bien s'en sortir là-dessus. Mais il n'a jamais fait des divisions coulisses, machin. Je peux le former. Je peux le former. Il y a pas de... En tout cas, il est volontaire. Et c'est même aussi un bêtis. Voilà. À Théba. Et c'était un étudiant de Jackson. C'est Jackson qui me l'avait présenté aussi. Le nom du site, c'est quoi? C'est maladie? C'est info maladie? Là. Non, pour le moment, ça a changé. Pour le moment, c'est... Attends, je t'envoie ça sur... Oui, tu veux que je t'envoie ça sur WhatsApp? Attends, il n'y a pas moyen de t'envoyer un message ici, là? Oui, ici. Si, il y a moyen. Il y a chat privé, oui. J'écris dans la discussion. Oui, écris là, dans chat privé, je vais lire. Simplement. OK. Site. Tu vois qu'avec StreamYard, c'est cool. C'est comme si c'était la télé. Il y a les petits messages. Même Zoom fait ça aussi, non? Sauf que... là, par contre, effectivement, le message du bas, je n'ai jamais vu ça sur Zoom. Justement, même le logo, Zoom n'a pas le logo. Tu peux mettre ton logo. Mais nous, on devra mettre le logo Info Maladie Rare. Justement. Donc, attends, je mets ton logo. La version, ça va être expérimentale du site, mais je pense qu'on va le maintenir comme ça. Parce qu'en fait, notre site a été hébergé par quelqu'un. On a envie d'échanger d'hébergeur parce qu'on n'est pas satisfait de l'hébergeur actuel. Mais l'hébergeur actuel refuse de nous rendre notre domaine. Et c'est là-dessus qu'on est calé. Je ne sais pas, non. Je ne réponds plus aux appels de mon webmaster. Et ce serait quelqu'un qui se trouve en Égypte, ce serait. Parce qu'avec les Camerounais, tout est possible comme mensonge. Et surtout, il m'a dit que quand il a eu l'opportunité la première fois d'échanger avec l'hébergeur au téléphone, parce que l'hébergeur nous avait été recommandé par quelqu'un qui faisait l'hébergement pour nous au départ. Et quand la personne a commencé à être indisponible, elle nous a simplement envoyé le numéro de téléphone de l'hébergeur en disant qu'on peut souvent lui envoyer directement les sous pour renouveler l'hébergement annuel. Mais quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas satisfait, ben finalement, je viens de t'envoyer le lien. On a décidé de changer d'hébergeur. Mais depuis qu'on lui dit de nous rendre le truc, il ne veut pas rendre et il ne décroche même plus les appels du webmaster. Ce qui fait que le webmaster, comme lui, il a les données, il prétend qu'il est en Égypte. Mais le webmaster dit qu'il a entendu sa voix une fois et sa voix, c'est totalement la voix d'un Camerounais. Donc, il se demande si c'est vraiment quelqu'un qui est en Égypte ou quoi. Même si le numéro, c'est un numéro d'Égypte.
Et vous avez déjà un hébergeur? Ou bien, vous êtes en train de Ça, chercher? c'est le webmaster qui connaît tout ça parce qu'il m'a dit, il a fait, il a d'abord récupéré toutes les données de base ici qu'il avait en réserve, comme il était en train de mettre le site à jour. Et après, maintenant, il a plusieurs propositions d'hébergement, quoi. Et il me parlait d'un hébergeur français qui semble être bien, quoi. Non. Ah non, 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 les hébergeurs français, vraiment. Excusez-moi, je suis en France, mais je ne les aime pas trop. Le support n'est Va nous pas au conseiller top. alors. Moi, je ne connais pas. Et Je ne connais absolument pas. ils sont chers pour rien. Je vais t'envoyer un lien. Parce D'accord. que c'est là-bas que j'héberge aussi. Donc, D'accord. je n'ai pas de problème. Ils sont même ici à Yaoundé. Monter l'éléphant. Ok, ils sont Tu vois? sur place. Oui, moi honnêtement, c'est-à-dire, moi Consomme honnêtement, non. local. Très bien. Les affaires de la colonisation, là. Le blanc, c'est-à-dire, le blanc n'est pas plus intelligent que nous. Ça, C'est c'est clair. clair. Faut être, c'est-à-dire, j'ai C'est juste horreur de qu'on cette ne bénéficie pas colonisation-là. des mêmes conditions pour pouvoir évoluer intellectuellement. Justement, voilà le lien que t'envoie sur WhatsApp, il t'envoie aussi sur StreamYard, sur la diffusion. Tu vas consulter, ils sont cool. Moi, honnêtement, c'est là-bas que j'héberge mon site. Camo host. Voilà, justement, voilà. Tu vois, Camon. Ils sont à Yaoundé, ils sont les Liguefa. Tu les appelles, ils sont au top. Ils résolvent ton problème à l'instant. Il fut un temps, j'avais des soucis. Enfin, j'avais renouvelé, mais sauf que j'avais commis une erreur. Tu vois un peu, l'argent était parti, genre. Ils ont récupéré, ils m'ont validé. Ah Tu bon? vois? Oui. C'est-à-dire, c'est quoi? Comme le renouvellement se fait par le e-money, j'ai donc commis une erreur. Tu vois? Non, je l'ai appelé. Pap, 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 il a résolu et j'ai vu. Mon truc a été. Et ils sont proactifs. Parce que quand tu fournis un service, vraiment, si ton support est médiocre, laisse tomber. Le support, non, le support après-vente. Ouais, c'est Oui, clair. Le service parce que après-vente fait la si, différence. voilà, si j'ai un problème et que je ne peux pas, je te contacte, toi tu me. Là, tu me réponds après 3-4 jours, Donc, voire 5 jours. www.camo-hosting. Tu en as un Point autre ou bien hosting. c'est ici que toi-même tu es? Oui, voici. D'accord. Attends, peut-être pour que tu sois rassuré. Voilà, moi j'ai même Je viens le tuyau. d'envoyer ça. Au webmaster. Voilà. Donc, hébergement, moi je suis hébergement. Là, vous les contactez, les gars récupèrent votre nom de domaine. Ils associent au nouveau Ah, truc. ils peuvent Ils récupérer. peuvent récupérer. C'est-à-dire, vous les contactez avec leur numéro Cameroun, là, 600 quelque chose là, numéro Nexpert, tu les appelles. Ouais. Oui, ils Et récupèrent ça votre. coûte combien l'année? Ce que moi j'avais pris, c'était 18 000 l'année, puisque je n'ai pas trop de trucs. Oui, attends un peu, je vais un peu regarder. Regardons tous ensemble. Voilà. C'est ça que moi j'avais pris. 18 000. J'ai un nom de domaine gratuit. Ce sont eux qui me donnent le nom de domaine. Ah oui, ce sont eux qui me donnent le nom de domaine. J'ai 2 Go de RAM. Donc, tu vois que, en fait, c'est quoi? C'est une machine VCheck. Bon, en fait, c'est comme un laptop que tu as acheté. Parce que le serveur, c'est quoi? C'est une machine. C'est une machine comme ton laptop. Donc, tu achètes ça, on te dit, bon, tu vas le louer. Là, on va te donner caractéristiques là-dedans, ainsi de suite, oui. Donc, ça veut dire malgré l'opposition de l'hébergeur, ceux-ci peuvent aller récupérer notre domaine. Oui, ils peuvent. C'est-à-dire,
ils le contactent, ils disent que bon, voilà, nous avons hébergé sur tel site, mais on constate que il n'est pas disponible. Tu vois, eux, tous veulent quoi? Dis-moi, eux, tous veulent quoi? La clientèle, ouais. Non? Ouais. Ils vont dans. Donc, comme dans alors, ton site sera grand public et plus visité, tu peux prendre 25 000 blancs. Mm-hmm. Moi, j'avais comme à passer, ils m'avaient conseillé de commencer avec 18 000. Parce qu'ils m'ont demandé là, ils m'ont posé la question, est-ce que le site est tant demandé? Ils ont dit que non. Que bon, c'est encore comme ça. Je suis encore dans les débuts. Je ne fais pas la communication pour l'instant là-dessus. Mm-hmm. Oui. Donc, voilà un peu. Grosso modo. Ouais, assez. Je crois que là, c'est le petit déjeuner qui est en train de pas t'appeler. Non. Parce que j'ai dormi tard et me suis réveillé tôt. Ah, donc on est tous dans le même bain alors. Parce que moi, j'ai dormi, ouais. Il était près d'une heure du matin. Merci, parce que si, je ne sais pas si j'ai partagé tout mon écran, non. Sinon, j'allais te montrer ce que les programmes que je suis en train de faire, un peu, je partage tout mon écran. Tu vas voir que au Cameroun, on ne dort pas. Tu dors, ta vie dort. écran en entier. Tu vois déjà mon écran, non? Tu devrais déjà voir. Mm-hmm. Oui. Voilà. Tu vois que voilà un travail. Pour écrire ça, c'est combien de lignes de code? Tu fais la somme de tout ça. Plus la somme de tout ça. Plus ça, tu reviens encore ici, tu fais pareil. En fait, c'est pour le tout de gestion et les ressources humaines et pays. Mm-hmm. Donc, tu vois qu'avec ça, tu ne peux pas dormir. Mm-hmm. En même temps. Et vous avez toujours plein d'écritures en informatique, là. Moi, je comprends pourquoi. Non, en fait, voilà. Pour dire quoi? Pour dire que quand, par exemple, quelqu'un, par exemple, je prends un cas, te sort une application comme celle-ci. Désolé, ça c'est un test. Mm-hmm. Quand quelqu'un te sort un truc comme celui-ci, pour juste sortir ce logo que tu vois ici là, avec l'ombrage autour, c'est des lignes de code. Ce sont des lignes que tu vois ici là. Ouais. donc parfois pour pas aussi en vouloir mon collègue développeur, j'aime oublier son nom, faut pas l'en vouloir, parce que c'est un truc que tu restes, tu te dis merde, quand par exemple Rose peut dire qu'elle veut dire un truc qui fait comme ça là. est-ce que l'Angala connaît que l'affaire là c'est au moins c'est digne. C'est ça. Oui. Donc, tu vois donc que pour faire ça, juste ça, pour peut-être sortir un état comme celui-ci, c'est des lignes de code. Tu vois, l'état est cool. Non, tu es content. Tu dis, waouh. Non, mais tu pourrais même faire que le logo là soit comme ça. Ah ouais, c'est ça. C'est toujours le problème de l'utilisateur final, surtout des administrateurs. Attends, non, vraiment, pour que le logo soit comme. Donc, tu as dit, tout fonctionne, mais ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il voulait que peut-être le nom qui est ici là soit peut-être écrit à. Soit en calligraphie ou en kakia. Quand donc tu vas lui dire que waouh, l'affaire c'est là, c'est qu'il faut encore coder. Ce n'est même pas que il faut encore même écrire, même encore peut-être
10 lignes de code encore pour pouvoir atteindre ça. Il va te dire non, c'est facile. Le travail de l'autre est toujours facile. Ah, c'est clair. Donc voilà. Donc, je voulais juste. Je viens de penser à un truc. Au moment de faire ta présentation, si tu peux sur ta présentation quand même mettre en pole position aussi le logo de ton entreprise, quoi. Sait-on jamais les gens qui peuvent te solliciter par la suite. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça te fait aussi un coup de pub parce que quoi qu'on dise, c'est du bénévolat que tu es en train de faire. Exact. Il faut même avoir ne serait-ce que la publicité de ce que tu fais derrière. Par contre, je ne savais pas que tu avais une page YouTube. Franchement, félicitations. Tu es un bêtis dynamique. je dis toujours, est-ce que moi, je l'ai toujours dit que si, tu vois un bêtis comme par exemple Amogo Bilinga qui atteint ce niveau. J'ai dit, il est très fort. Parce que le bêtis n'évolue jamais en groupe. Parce qu'il évolue en groupe, on va le détruire. Or, les Bamleke évoluent en groupe quand même. Même là-bas en France, tu vas les voir dans des petits groupes. Ressortissant Bambouantou, ressortissant Batoupam. Or, je suis sûr que. Il y a beaucoup de tonnes là-bas, beaucoup de wondos là-bas, mais hélas, personne ne dit que voilà notre soeur qui est venue, surtout elle est dans un domaine, puisque la médecine en Europe coûte très cher. Mm. Oui. Mais non, on va dire, elle vient même faire quoi ici? S'il y a même moyen même de te descendre, on te descend d'abord. Et du coup, tu es donc obligé de te tourner vers l'ouest. Parce que l'ouest, quand même, à défaut de ça, c'est vrai, moi, je les maîtrise bien. Avec l'ouest, quand tu as le CFA, non, ça va, vous allez traiter. Non, vous allez traiter. Mais si tu viens lui dire au départ... Dis-moi un peu, est-ce que tu as possibilité, est-ce que tu peux admettre une troisième personne là tout de suite dans la conversation? Oui, j'envoie juste le lien. D'accord. Attends. Si tu m'envoies le lien, je le lui envoie. C'est le webmaster. Je lui demande un peu. Parce que je viens de lui envoyer le lien de l'hébergeur, de l'hébergeur dont tu m'as parlé. Et là, il me demande d'abord est-ce qu'on a déjà pu récupérer l'ancien truc. Voilà, je t'ai envoyé via le chat privé de. Ah, tu vois que Sumia, dans ma chaîne YouTube, il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà écrit. Oui, Teddy. Monsieur Togo ne quitte pas. Teddy, est-ce que tu peux te connecter? Je t'envoie un lien pour que tu te connectes. Je suis en train de discuter avec le concepteur de l'application mobile et qui a des recommandations, des conseils à te donner rapidement par rapport à la mise en place de la visioconférence. Est-ce que tu penses que tu peux quand même nous accorder quelques minutes là, si tu n'es pas occupé? Je t'ai envoyé le lien. Regarde dans ta boîte mail, c'est sur StreamYard. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. D'accord. Donc, là, nous sommes en train d'échanger, lui et moi, depuis 8 heures du matin. Et comme j'ai vu que tu m'as écrit, je me dis, c'est l'opportunité ou jamais pour que tu te connectes et que rapidement, il te donne quelques conseils pour la visioprojection qui doit être diffusée. Donc, je viens de t'envoyer, je t'ai envoyé deux mails. Il y a le mail hébergeur et il y a simplement un autre, le mail le plus récent. C'est là-dessus que tu dois cliquer pour accéder à la visio actuelle que je suis en train de faire avec lui sur StreamYard. C'est bon.
Connecte-toi déjà pour voir si ça marche. Ouvre déjà ta boîte, mais tu cliques sur le truc StreamYard là. Ok, à tout de suite. C'est bon, je crois qu'il va se connecter de suite là. La chance, là, ça évite d'essayer de reprogrammer un autre rendez-vous pour que vous puissiez vous voir, parler. S'il est là, là, nous tous, on est au même niveau d'information. Et je lui redis Exact. directement pour le baladeur, le haut-parleur, bon, visioprojecteur, j'en ai déjà à la maison. Voilà. Donc, pour le coup, ça veut dire en fait que finalement, voilà, que penses-tu du site? D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il va se connecter, que tu lui dises les choses que tu penses qu'il doit améliorer. Non, à coup sûr, à fort demain, à vue de, c'est déjà cool. Je ne sais pas si celui-ci va déjà dans Facebook, dans LinkedIn, dans Twitter. Tu vois que tu as déjà combien? Trois. C'est cool. Maintenant, Il faut qu'il active parce que comment? ça, j'ai même oublié. Il n'a pas encore activé les onglets Oui, de nos réseaux parce sociaux. que Là, il faut qu'il active ça. j'ai eu à cliquer là-dessus, ça ne va nulle part. Ça boucle à celui qui n'a pas encore mis quelque chose. Attends, je regarde s'il est déjà dedans. Non, il n'est pas encore là. Et tu vois, si tu descends, par contre, il y a ce que j'ai vraiment apprécié dans ce travail, c'est que si moi je fais une publication sur Facebook, ça apparaît ici. Descends doucement. Là, tu descends d'une manière un peu abrupte. Remonte, remonte. Voilà. Remonte encore. Ici, tu vois. Ici, oui. Donc, quelqu'un qui se connecte ici peut voir l'actualité, notre actualité sur Facebook. Oui. Il a juste mis un lien direct Je vais de la d'ailleurs lui page demander Facebook. s'il peut aussi mettre un lien de notre page LinkedIn. Ce serait bien, non? Justement. Oui, maintenant, donc, il prévoit, bon, ici. Ils se connectent, on va rapidement discuter. Ils prévoient un onglet de streaming. Enfin, du Anglais. moins, c'est pas. Enfin, c'est-à-dire, pour dire les diffusions, donc quand il y a les conférences, quelqu'un peut directement venir là, pap, il tombe directement et ça passe en direct. Quand, par exemple, il n'y a pas de conférence, quand quelqu'un clique, on lui dit qu'il n'y a pas de conférence. Voilà, il est déjà là, je le vois, attends, je vais l'autoriser. Déjà fait. OK, déjà fait, il est déjà là. Ah, attends. Attends. Sa Je vidéo, l'avais. Voilà, il est déjà là. Bonjour, Teddy. son micro est activé. Non, active ton micro, active ton micro, active ton micro. Non. Attends. Oui, tu peux parler. Attends que la personne qui suive, c'est. Je n'entends pas. Je lui ai écrit sur WhatsApp. Il faut que je branche mon Tu téléphone. vois que en faisant la diffusion dans ma chaîne, voilà quelqu'un qui demande. Le lien du site, je suis sur téléphone, je ne vois pas très bien. Active Bon, ton je micro et ta vidéo si possible. On ne te voit pas et on ne t'entend pas. Justement. Parce que Ah, il y a j'ai quelqu'un qui est en activé. train de voir le truc sur YouTube. Oui. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Allô, Teddy? Allô, ça va maintenant? Allô? Oui, Oui, je vous ah, écoute. tu es sur mon téléphone Le apparemment. volume est un peu bas maintenant, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Il faut mettre le kit main libre, mais les écouteurs. Voilà. Vous m'écoutez? Ouais, Oui. ouais. Je t'écoute parfaitement. Toi, tu Mais bon, je vous m'entends? écoute maintenant un peu assez bas. Et là, on dirait que le volume a baissé. Puisque Tu n'as pas les j'écoute, écouteurs.
Non, là, je n'ai pas ça à m'apporter. As mis sur quitte main libre, tu m'as libre. Oui, c'est sur quitte main libre. Je n'ai pas. Ben oui, ça va. Si tu réponds, ça veut dire que tu entends quand même. C'était les tests. Oui, j'entends, mais pour ça, il faut que j'approche le téléphone près de mon oreille. Donc, la vidéo va Ah, être autre chose. c'est pas grave. Hein. Comme si nous, on va seulement ton cou. D'accord. Ah, ton ordi, tu n'as pas l'ordi. Attends, bon, l'ordi est à l'intérieur là, mais le temps de faire la connexion là, ou bien vous Ah. m'accordez un peu 5 minutes. Le temps de faire la Oui, connexion là avec mon on ordinateur. dit mais ne raccroche pas comme ça. Ne raccroche pas, Oui. parce Tu qu'on peux tourne pas commencer à avec lui le. donner quelques indications, surtout les indications. Pendant que Teddy est en train d'aller chercher son ordinateur, tu peux commencer à le conseiller. Comme ça, quand il s'assoit, il aura eu le temps de récapituler ça et de placer un Voilà. mot aussi. OK. Teddy, Oui. bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur. OK. Non, 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 ne m'appelle pas monsieur. Ça ne donne pas l'argent. D'accord. Ne donne pas l'argent. Si au moins ça donnait l'argent, ça que je suis sauvagement riche. Aïe, je te dis Hein? qu'il y a un sac de monsieur, surtout à Yaoundé, là où on aime les monsieur, monsieur, monsieur. Non, 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 vrai. Les salam C'est-à-dire alaikum. même mes étudiants, je leur demande de m'appeler Édouard. Mais si je constate surtout les demoiselles, parfois elles Il y a perdent des souvent le nom. débordements. Justement là, je te recadre. Oui, je te recadre en disant que, ailleurs, monsieur là, et ça Dis-moi, devient par contre, quand on injuste. est sur StreamYard comme ça, si c'est toi qui as la main, tu vois, si maintenant moi j'ai envie de faire de partager mon écran, il faut d'abord que toi tu enlèves ton écran et que maintenant moi je puisse partager mon écran. Essaye un peu de partager. Gars, tu sais, Rose, la science, j'aime bien la science, pourquoi? Parce qu'elle est exacte. Tu testes. Tu vois un Partage peu. l'écran. Tu testes. Partager l'écran. Du coup, partager. Par Partager exemple, sur on dit, qui? Hop. as-tu avoir partagé après, Est-ce que on va vous te voyez dire, mon écran? attends, j'arrête chez moi, je ne vois pas ton écran. Ah, je vois. Attends, j'autorise la diffusion, que okay, ça va. C'est bon, je vois. D'accord. Je devais autoriser la diffusion. Donc, en fait, c'est donc alors le rôle de celui qui va gérer. C'est-à-dire, il autorise, Tu il vois comment annule ça les fusions. défile là? Oui, je vois. Je vois parfaitement. Là, je peux me Non, c'est le mettre planning. C'est le à mon. OK. planning de l'événement. Attends. Non, ça c'est le truc à la CR TV. C'est ici qu'on était. Donc voilà le planning qui la vidéo est censée faire 3 h 20 minutes. Et voilà, à peu près, ça commence à 15 h. Donc Attends, 15, 15 h 5 5 minutes minutes. pour la marraine, oui. 5 minutes pour le Même comme la marraine président, a dit qu'elle veut parler plutôt à la fin, donc finalement, je vais voir comment moduler ça. Je vais parler et après directement, on enchaînera avec le partage des patients. Tant mieux si on gagne 5 minutes, c'est toujours oui. bénéfique. Ça veut Et dire que après, tu parles, ah, tu vas parler à ensuite, bah, tu partir viens. de ta position actuelle. Te voici. Ok, 15 minutes. Ok, sans souci. 15, 55, 16, 10. Ok. Maintenant, 15 minutes présentation du projet référence et 15 minutes réponse question. Ok. Donc, non, c'est bon. Et Ça après, marche. et tu vois, j'ai segmenté en conférencier camerounais. Et après, il y a conférencier européen. Européen. Donc, Donc, les c'est nous qui conférenciers européens. commençons pour être sûr que tout le monde suit ce qu'on a à dire. Et après, Exact. maintenant, eux, ils viennent et ça leur permettra aussi d'adapter leur discours par rapport à ce que nous, on aura dit avant. OK. Même s'ils auront déjà préparé leur visio, machin. C'était pourquoi je souhaitais que demain, dimanche, les conférenciers puissent déjà se rencontrer pour un peu échanger de ci ou ça et orienter ainsi le discours final qui Maintenant, sera présenté le 26.
Maintenant, le spot IMR là. Oui. Je reviens un peu, remonte un peu. C'est que moi, j'ai tout ce qui est high-tech. Je vois spot descend un peu plus bas. Ah, spot, pardon. Spot, 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 IMR. C'est déjà prêt, le spot. Oui, oui, c'est déjà prêt. Du moins, c'est un vieux spot, mais qu'on est censé améliorer. On avait sorti ça pour mars, comme on avait la foi dont j'étais parlé là. C'était pour que ça passe en boucle dans notre stand. Maintenant, le site, c'est le webmaster qui va faire une visite rapide. Même moi, je peux faire la visite rapide. Ah, OK. Juste pour présenter les différentes rubriques. C'est pour cela qu'on est en train de vouloir améliorer et que d'ailleurs, toi, en tant que professionnel, je te demandais ce que tu penses du site actuellement. Non, le site actuellement est cool. C'est pas... Donc, t'es dit, il y a un point qu'on allait oublier. Les onglets, il est toujours là, non? Non, je ne pense pas. Ah, d'accord. Donc, important. Activer. Ah, attends. Oui, attends. OK, c'est bon. Il est là. Oui, Teddy, allô? Tu nous entends bien maintenant? Oui, très bien. D'accord. Voilà, c'est cool, bon, ça marche. Je commence par le commencement bon. Avant que vous ne commenciez à parler des choses que je ne vais plus comprendre. Je commence par les choses qui sont à mon niveau. Ce qui est à mon niveau, c'est comme avec... Édouard, on était en train de visiter rapidement le site internet et que pour le coup, attends, c'est ça que je partage plutôt. Okay. Comme si tu es là, tu peux partager. Donc, comme il essaie de cliquer sur nos réseaux sociaux en fait et il n'a pas pu. Accéder à nos pages, à notre page, qu'elle soit LinkedIn ou je ne sais pas trop, toutes les autres pages là. Donc, c'est un point. Vous voyez la page? Non. On voit juste ton truc. Voilà. Ah, je ne sais pas comment partager alors ça. Vu que je suis toujours en mode de partage d'écran. On revient dessus, quittons le planning. Reprends la main sur le partage et toi, tu ouvres la page internet. Donnez-moi quelques minutes. Okay. Donc c'était pour les onglets en haut en fait, tu vois, en haut à droite là. Les icônes des réseaux sociaux. Tout à fait. Vous voyez déjà, non? Ça charge, attendez. Donc il faudrait que ce soit activé, que si quelqu'un clique dessus, la personne puisse effectivement entrer dans notre page Facebook. Donc si tu peux relier ça avec les liens de nos différentes pages. Et la page LinkedIn, là, c'est LinkedIn, là. Oui. Faudrait que... c'est même toi qui nous avons... Ah non, c'est Sonia qui avait ouvert ça. Il faudrait aussi que notre lien, que les gens, en cliquant dessus, accèdent directement à notre page LinkedIn. D'accord. Par contre, on n'a pas Twitter. Donc... Teddy? Oui? C'est un nom de domaine free ou bien je vois .fr, c'est pas cool. Donc bon, en fait là c'est un domaine disons un peu temporaire. Comme l'hébergeur actuel un peu nous cause un peu de merde. Vu qu'il ne nous restitue pas le domaine proprement dit. Et ça c'est d'abord un domaine là où on fait d'abord le projet IMR afin de basculer ça plus tard sur le domaine proprement dit. Lorsqu'il sera restitué. Donc, ça, c'est un domaine temporaire, juste pour qu'on puisse voir à quoi ressemble le site et faire les modifications adéquates. Adéquat, OK. Bon, avant de commencer, je tiens déjà à te remercier parce que c'est aéré. Parce que quand j'avais d'abord visité ça, il y a un mois, je pense, un mois et demi, vraiment, je préfère me taire. C'était bizarre. Mais là... Du coup, quand elle m'a envoyé le lien, je ne sais pas quand nous avons eu une conversation, c'est passé tu vois, matin. Quand j'ai visité, c'était cool, hein? C'était très, très merci. Cool. J'ai apprécié, j'ai vu que le forum avait été ajouté. Les projets étaient déjà là, dans l'ancien truc. Et en plus, tu t'es battu.
Ça dit que tu fais beaucoup dans aussi l'infographie. Tu as vu, j'ai mis quelque chose de bizarre aussi, pour voir à quoi ça ressemble aussi. J'ai fait que, vous voyez un peu, je me suis un peu connecté ce jour-là pour faire des tests. Pour voir. En fait, c'est le rôle d'un dev quand il est face à un autre dev. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche? Comment? Et du coup, quand par exemple, moi aussi, je vois, c'est dit que comment de mon côté, je peux améliorer, ainsi de suite. Donc, c'était cool. Là, c'est très cool. Surtout D'accord, encore merci. le live, tout en supposant que tu as, il y a quelqu'un qui est. Ou soit que tu as automatisé les réponses. Genre, Bon. quand je dis Oui. bonjour, lui, il répond bonjour. Oui, Là, tu peux utiliser un chatbot. Un chatbot. c'est ça. Il y a beaucoup de chatbots déjà dans des applis. Maintenant, En passant, à ton Edouard, retour. Monsieur Etogo, il travaille avec Jackson, ton ancien enseignant, et ils travaillent ensemble au ministère des Relations extérieures. Ce sont les boss du virtuel du ministère des Relations extérieures. Ah, Ouais, je n'aime. Tu sais, les l'affaire grands des titres. ministères, tu un peu l'affaire des ministères des Relations extérieures là m'a cloué hier quelque part. Oui, vrai. Quelqu'un m'a dit, ah oh, vraiment monsieur, je vous reconnais, vous avez beaucoup d'argent. J'ai dit hein. Il m'a dit que mon type, si on t'a envoyé, c'est décembre, je ne veux pas de Ouais. problème. Elle dit Ouais. que tu ne m'as pas trouvé. Oui, faut pas que. En plus, c'était le secteur où, dès qu'on pressent ça, tu es un gars mort. En fait, pour résoudre rapidement le problème De du site, l'hébergement. de l'hébergeur, je te propose Camon, parce que c'est sur ça, c'est chez lui aussi que j'héberge. Il est au Cameroun. Lui me satisfait. Moi, je n'ai pas de problème. Il se trouve à Elgefa, monter Elgefa, tu peux me les rencontrer physiquement. Et ils ont un support actif, proactif. Ça, oui. Et là, tu leur poses le problème. Ils peuvent te récupérer ton nom de domaine. C'est vrai que eux, en prenant un truc chez eux, ils te donnent déjà un nom de domaine. Tu essaies un peu de voir si ça peut aller. Par exemple, on peut te dire, j'ai déjà un nom de domaine. Tu dis oui, tu peux récupérer. Donc, par exemple, on peut faire un test rapide pendant que nous sommes là. J'essaie de voir. Ajouter un panier. Ça finit de charger. Il va me Ah, demander ça de veut me dire que je peux connecter. payer par virement bancaire. Ouais. Maintenant, nom de domaine souhaité. Tu vois déjà, non? J'ai un nom de domaine. Donnez-moi un peu le vôtre. Infomaladira.org. Au singulier. Tout Oui, au singulier, tout en minuscule. maladie Au singulier, rare. enlève le S sur info. Enlève Il le faut enlever R. S. À Voilà, tu maladie enlèves le rare S aussi. sur A. Oui. Oui, enlève tous les S, même à maladie. Ah Oui. oui, Voilà. j'avais pas vu ça. Ouais. Point org. Point org. Oh, Org. ok. C'est ça, non? Je C'est vais ça. continuer. Et c'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est fini. Voilà même mon truc que j'achète. Ça alors. C'est passé. Donc, D'accord, montant 25 000. voilà. L'année, c'est Maintenant, ça? oui, l'année. L'année. Et j'ai préféré l'hébergement mutualisé. Oui. Qui peut regarder en profondeur. Mais D'accord. nous avons tous vu qu'on peut récupérer, on peut utiliser notre nom de domaine qui existe. D'accord. D'accord. Voilà. Donc Ça, c'est voilà par déjà un contre une bonne nouvelle parce que là, ça me prenait déjà la tête. problème résolu. Maintenant, avec ça, tu as la possibilité de créer les adresses e-mail professionnelles parce que je dis toujours qu'il faut rester professionnel comme son nom Oui, l'indique. on a lié les Ça veut adresses, dire mais qu'on peut sinon. récupérer nos adresses professionnelles là aussi? Non, Ou pas? on va Besoin les de créer recréer de en fait. nouveau. Là, on va les Voilà, recréer. donc vous avez à créer jusqu'à 150. 150. Non, c'est bon. Voilà. Et c'est sur le Waouh, web. 150. C'est À le qui tu webmail poses? aussi ou bien c'est cPanel. Hein? C'est le webmail pour les adresses email. Je ne me rappelle pas. Hein?
Parce que voici pour moi ici. Voici, Ah, bon. c'est Et Webmail. c'est quoi le nom de ton truc? Isof.ca. Donc, ça C'est met ça. ton prénom, ton nom et Non, non, c'est isof.ca. moi-même. C'est moi-même qui Ok. crée. J'ai créé D'accord. autant. Par exemple, comme je fais dans. Tu vois, il a ouvert à partir de c@mou là. Parce Voilà. que j'ai dit, vous avez créé des trucs et c'était sur Webmail, c'est ça? Oui. En fait, là-bas même était sur le cPanel, mais là, c'est sur le webmail. Comme j'ai vu D'accord. en haut là. Voilà. C'est bon. En fait, c'est quoi? C'est que quand lui, il va créer les comptes pro, un peu. Donne-moi quelques. Ah, ça m'amène encore à partager presque tout mon écran parce que je bascule. Je bascule sur autre chose. Contente de te voir, t'es dit, ça faisait longtemps. Ah oui, nous J'ai sommes dit toujours que et toi, l'enfant ici est déjà une mine d'or pour le voir, mais en bientôt veut demander le numéro de la secrétaire. Ah Ah bon? Mais là, c'est bientôt. Hein. Moi-même, je vois ça bientôt quand même. Tout arrive au moment opportun. Maintenant, Cameron Hosting, C'est quoi? je me connecte. Windows, machin. Ah, ok. Connexion. Et je suis surtout contente qu'il soit au Cameroun et des personnes qu'on peut voir physiquement. Oui, justement. Pas toujours à des milliers de kilomètres. Quand il y a un problème, on te gueule même. Tu ne sais même pas comment faire pour aller cravater la personne ou je ne sais pas trop. C'est comme ça, ce compte. Hey, il est passé. Ok, c'est bon. Tu vois que je suis déjà dans ma page d'administration Teasing. C'est ici Oui. que je crée les adresses email professionnelles. Oui. Je gère les adresses email gratuits. Tu vois que j'ai créé pas mal. Oui, je vois, je vois, je vois. Donc, maintenant, chaque adresse email pour moi, comme j'avais pris un truc basique de 18 000, puisque le trafic n'est pas intense, ils m'ont donné pour chaque personne 500 mégas, pour chaque adresse 500 mégas. Donc, je ne sais pas avec 25, mais combien ils vont donner, ainsi de suite. Maintenant, donc, si la promotrice Toi, tu m'as dit que toi, tu payes Mmh. 15 000. 18 000, 18 000 l'année. 18 000. Et Oui. tu es Et satisfait. voici Ça comment. veut dire qu'avec 25 000, on devrait être plus Oh, que je suis satisfait. satisfait parce que je me dis que, enfin, pas, je me dis, il n'y a pas trop de trafic chez moi. Voici mon site. Ça tombe même bien. De faire la connaissance de Teddy. Il va jeter un coup d'œil. Teddy, hey. Oui. Les gars, si on fait comment? Ok. Il n'y a plus la sécurité. Traduit. HTTPS a disparu. C'est Non, c'est là. bizarre. HTTPS Ah, ok. Merde. Ah, là. Il Merde. fallait voir ta tête, il doit. C'est trop drôle. Merde. Merde. On devait Merde. immortaliser le moment. Merde. En fait, Ah, c'est joli oui, ça. ça D'accord. Quel genre de joli Surtout au celui. début, là, j'ai bien Mais aimé la petite c'est beau, lampe. Ah, celui qui m'a fait ça m'a eu. Le Bon. ministère, non? Oui, Au ministère. l'ancien webmaster. Oui, l'ancien Ouais. webmaster m'a eu. Oui. Donc, oui, il m'a eu, non? Il a gagné. Donc, du coup, je sens que je vais bosser avec toi pour arranger ça. Parce qu'il y a ça. Il y a un autre Tintin Master. Vraiment que le monsieur là, c'est un pasteur. Honnêtement, c'était un civil. Si je Allez, vais suis. lire les. Oui, Oui. parce que l'autre là, c'était quoi là? Ah, c'était Technosat. Donc, t'es dit là, je Technosat. te demande déjà, est-ce que tu préfères que j'achète en ligne ou bien tu vas aller les rencontrer physiquement? Là, la responsable des affaires financières te remet l'argent.
pour que tu Bon, puisses au mieux, même on gère ça en ligne une seule fois. C'est mieux. D'accord. Et Voilà, c'est ce là, que j'allais dire. oui, c'est ça. D'accord. Et là, quand C'est ce tu que j'allais gères dire. toutes les finances, on ne touche pas ton argent. Tu gères tout ce qui va entrer, tout ce qui va sortir. Voilà. Oui. Ça fait donc D'accord. que, du coup, donc, quand, Oui. donc, tout, quand tout est géré, tout ce que tu n'as qu'à faire, soit Teddy met son compte, Oui. l'adresse email. Ça fait que à chaque fois qu'il y a un souci, c'est vers lui qu'on va écrire directement. Parce que si tu mets ton compte de création, il faudrait, je ne sais pas si tu es constamment connecté pour donner les informations ou pour forwarder les mails. Oui. Ça dépend. Donc, Ouais, c'est moi je suis pourquoi? toujours C'est que. connectée, mais je pense que t'es dit aussi, même si je ne sais pas quand Voilà. il est C'est connecté, pourquoi? que je ne vois Qu'est-ce jamais. qu'il fait? Il crée le compte. C'est-à-dire, il crée comme j'ai commencé à le faire, je ne sais pas où là. C'est-à-dire, il crée, maintenant il met ses adresses. Pour payer, il met plutôt les informations. Par exemple, si c'est via MTN Orange, il met par exemple ton numéro et toi tu es débité là-bas. C'est mieux. Voilà. D'accord. Maintenant, je ne sais pas s'ils admettent aussi Ah, ils le l'affaire font de par compte. Orange Money aussi. Oui, je pense. Attends, je vais regarder si j'ai aussi. Il va voir le lien et il va explorer. D'accord, c'est Ok. mieux. Oui, tu Il y verras a le le lien, lien tu vois. dans le chat. Oui. Et j'ai reçu le lien Dans là le sur chat. WhatsApp. Ah, Voilà. ok. Je suis Ça là sur marche. WhatsApp. Donc, maintenant, Teddy, Oui. tu sais, toi et moi, nous sommes très rares. Donc, Ah ouais. profitons rapidement de l'instant. C'est vrai que j'ai un consulte, je vais reporter ça de 1h30. Oui. OK. J'ai proposé une solution large public à Rose. Ça s'appelle StreamYard. StreamYard, c'est une entreprise qui Oui. fait dans la diffusion large public. Oui. Et justement, nous sommes sur StreamYard. Raison pour Oui. laquelle, tu vois, si tu as par exemple mon lien, Et tu vois en bas, mon regarde, lien t'as des de. fils préparation, machin. Je trouve ça trop cool. Voilà. Si tu as par exemple mon lien YouTube, j'ai envoyé ça où? J'ai envoyé à Rose ça où là? Si tu as par exemple mon lien YouTube, donne-moi juste quelques minutes là. Non, D'accord. c'est pas ça. Voilà. Si tu as par exemple ce lien que je mets à ta disposition, Oui. le chat privé. Tu verras que le même truc se passe là-bas. Une fois que tu es abonné, tu verras le même. Maintenant, D'accord, l'avantage avec, pardon, l'avantage avec StreamYard est que Oui. je peux diffuser sur plus de deux sites de diffusion. Par exemple, YouTube est un site de diffusion ou de communication. YouTube Oui. et j'en passe. Maintenant, pour le faire, Oui. j'ai préféré commencer par un truc où je ne me suis pas inscrit, c'est bon. Tu vois déjà, non? Oui, je vois la page. OK. Tu vois, ce que je proposais à Rose est de Oui. regrouper tous les panélistes camerounais hein, dans un local. Bon, quand on dit local, c'est une salle. Dans notre Hein? siège, par exemple. Voilà. C'est ça. On tient souvent. Pourquoi? Parce que elle m'a dit qu'il y a au moins combien? 14 14 bâtiments. panélistes. Je ne sais pas si elle m'a aussi compté dedans. Ah oui, Tu tu vois, étais je sais. parmi. Ah voilà, donc 14. 14 en principe, elle doit plutôt payer Payer ça. l'abonnement de 79 euros par mois. Tu vois un peu. Je vois Oh bon, à voir comment elle pleure. À voir comment elle C'est partout pleure. notre travail, Ouais. pleurer l'argent. Pour que Ouais. les hommes donnent. À voir comment elle pleure. J'ai Ouais. dit, OK, on peut revenir ici.
pour revenir ici, on a là 10 panélistes, enfin 10 participants à l'écran. 10 participants à l'écran, ça signifie quoi? Ça signifie, comme je t'ai envoyé le lien, hein, j'ai envoyé le lien à Rose, nous sommes déjà 3. Trois, oui. Donc il reste 7. Tu vois un Oui. peu? Et ce sont des gens qui interviennent. Or, par contre, si on réussit à regrouper un max, par exemple, si au Cameroun, ils sont 5-6, si on réussit à les regrouper Oui. dans une salle, alors qu'est-ce que tu auras besoin? Ça fait Tu un dois avoir, écran pour quatre panélistes, par exemple. voilà, c'est-à-dire, bon, soit vidéoprojecteur, soit un écran de 65 pouces, très large, hein, Oui. un micro et un haut-parleur. Enfin, du moins, c'est le bas, un speaker. Maintenant, toi donc, qui sera côté technique, Oui. vraiment, c'est toi qui prépares tout. Tu as vu, dès que tu entres, je t'autorise. Dès que Rose a voulu partager, j'ai autorisé. Tu vois un peu, donc, Oui. c'est le Oui. travail du local technique. Hein. Il autorise, il enlève, tu vois. Oui, un Mais peu comme or, Zoom. justement, tu vois qu'avec Zoom, il n'y a pas ce qui se passe souvent dans Zoom. Zoom a souvent un problème d'écho, où on a besoin, où nous sommes obligés de couper le micro. Oui, pour que on puisse bien entendre l'autre personne qui parle. Voilà. Oh, ici, vraiment, tous vos micros sont ouverts et il y a le bruit chez chacun des participants. Ça ne gêne pas le trafic. Ça ne gêne pas la communication. Oui. Donc, voilà un peu pour ce qui est matériel que tu dois avoir ce jour-là. Oui. Maintenant, donc, et maintenant, pour ceux qui sont distants, Oui. tu vas les envoyer le Ah, lien. excuse-moi, je ne voudrais pas te couper. Il y a Oui. StreamYard sur Play Store. Parce que, par exemple, là, pour que Oui, les je participants pense. puissent. En Est-ce qu'il fait, faut d'abord installer l'application ou je leur non. envoie simplement le Tu lien? ne m'as pas, tu ne m'as pas vu installer l'application StreamYard et encore ouais. D'accord, ok, Donc, tu n'as parfait. pas besoin de rien. Par exemple, Teddy, est-ce que Teddy a eu besoin d'installer StreamYard? Une appli, Non, non, non. juste mettre mon nom et activer le micro et la Voilà. caméra, c'est tout. Justement. Donc, ça veut dire que StreamYard, pour l'instant, je suppose, hein, ils sont encore web. Bon, Oui. peut-être je parle sous réserve, comme j'utilise le gratuit. Oui, je me dis qu'une fois. Une fois réglé, ils peuvent te proposer Attends, non, là on l'exil. est sur gratuit. Oui, Et ça fait c'est le déjà gratuit. plus d'une heure qu'on est en train de parler, sans arrêt. Exact. Exactement. Oui. Sur Mais Zoom, on ne peut c'est pas faire 30 les minutes. enregistrements. Ce sont les enregistrements qu'on ne peut pas faire. Ça veut dire que la réunion même que je dois tenir avec les panélistes demain, je peux la faire sur StreamYard? Voilà. Parfois avec StreamYard. Mais là, c'est avec Et 6 participants. 6 participants au max. Ah oui, Au c'est ça. max. Ou je paye une fois la version de machin là qui est mensuelle. Et là, la réunion se Là, tient tu sans auras problème. 10 participants au max. Ah, tu me proposes le 20, le 20 dollars. Bon, et Plutôt que maintenant, 39 pour c'est à avoir toi de un voir entre le 20 et le 39. Je Mais je pense peux, que. mais je peux. Le 39 est peut-être préférable. Parce que Parce je vois que. quand même, c'est. Attends, pourquoi est-ce qu'ils mettent en coulisses? C'est ça qui me dérange. 12 participants en En coulisses. coulisses, c'est quoi? Alors que C'est l'autre, que. ils mettent 10 participants à l'écran. Non, je vais t'expliquer. Tu sais, parfois le français, là. Regarde pas comment j'aime l'anglais. En coulisses, c'est quoi? C'est que je peux jouer avec. J'enlève Teddy, je mets Jack. J'enlève Jack. Je mets tel, tu vois un peu. Pourvu que, c'est comme par exemple la connexion par Wi-Fi où on te dit max pour ce canal 100. C'est comme, c'est bon, je m'en vais un peu loin, c'est comme WhatsApp 250. WhatsApp, on atteint 250. Maintenant, je constate que Rose n'est plus active. J'enlève Rose, non. Ça fait 249, je mets Teddy. Tu vois un peu, donc c'est 250 en coulisses.
On joue juste avec les enlever, remettre, enlever, remettre, de temps en temps. Voilà. D'accord. Et pour le coup, une autre question. Vu que c'est moi qui vais payer ici, est-ce que Teddy a la possibilité d'avoir la main? Tu donnes toutes les informations sensibles à Teddy, c'est tout. D'accord. Soit, qu'est-ce que tu fais? Teddy t'envoie son adresse email, puisque je souhaiterais que ce soit lui passer les techniques. Teddy, comme tu as son adresse email, tu mets parmi les informations, tu mets son adresse email. Certes, tu vas D'accord. définir un mot de passe ou un code, je ne sais pas quoi. Et après quoi, tu communiques. Teddy va recevoir tout ça, puisque tu as mis son adresse email. D'accord. Oui. Auquel cas, tu mets ton adresse email et tu Et je lui transfère forwardes tout. tout le mail à Teddy. C'est à toi de voir. Hein. D'accord. Ok, non, il n'y a pas de souci parce qu'effectivement, c'est lui qui aura la main pendant l'événement. Voilà. Donc, Edouard, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Et pour voilà, pour YouTube en question, là, afin de faire maintenant un peu le lien On n'a pas avec terminé. avec. Parce qu'effectivement, on était sur On n'est pas YouTube. encore arrivé dessus. On n'a même pas encore terminé. Ah, d'accord. Comme tu m'as envoyé le lien là, bon, et comme je me disais que tu as déjà fait allusion à ça, pour ça que je Ah te. non, c'est que j'ai. En fait, c'est quoi? Comme je reprends, c'est parce que j'avais déjà discuté Tu m'avais avec déjà parlé de ça, Ah, d'accord. avec Rose. Et Oui. toi qui vas gérer ça, je suis obligé maintenant de recommencer au point zéro. Oui. Du coup, tu fermes ta Voilà. page YouTube et tu la réouvres ou tu fais comment? Pour lui expliquer en image aussi. Bien, Non, comme il on va est webmaster, il va vite comprendre. Ce n'est pas comme moi faire que pas à justement. pas. Voilà, on va faire tout ça. Donc, j'étais en train de présenter les tarifs. Maintenant, Oui. je prends le gratuit parce que moi-même, j'utilise actuellement le gratuit. Oui. Il y a la version pour particulier et pour entreprise. Oui. Tu vois un peu, Rose. Donc, à partir de 79, c'est déjà entreprise. Particulier, la limite, c'est 39. 39. Ouf, tant mieux. L'avantage, 39, c'est nous sommes en full HD. Ça signifie que tous nos gars, tous les panélistes là vont voir en full HD. C'est-à-dire, OK, maintenant, allons donc là-haut, nous, les techniciens, on comprend. Et on peut Oui. changer maintenant ici en haut aussi l'onglet. On peut mettre notre logo. Voilà. Non, justement, raison pour laquelle on vient donc là. Voilà. D'accord. Je viens en connexion. Connexion, par exemple, Teddy, donne-moi ton adresse email. OK. Teddy. T-E-E-P-L, Ateba. T-E-D-D-Y. Ateba. Même tu m'étonnes. Et Wando, 10. 10. Et tu me Arroba, fais j'ai courir comme maintenant. ça. C'est un néon au nom des étonnes. Oui. Non, et Wando. Ateba, c'est étonne. Oui. Hey, on dit que tu as créé. Je n'ai pas créé un compte ici. Là. On dit que aucun compte n'existe avec cette adresse. Ah Et là, ouais. Ah ouais, je n'ai pas attends, recréé. attends. Ah oui, créez-en un. Il faut Je d'abord me disais. créer. Mais tu sais, j'avais dit. Bon, il y a encore 6 chiffres, il faut qu'on t'a envoyé, renvoie-moi ça. Ok, attends, je me connecte. On dit que si on veut cacher quelque chose à l'Africain, il faut écrire. Oui. C'est comme ça qu'ils piègent maintenant, les gars. J'écris. Ah, l'application. Non, 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 non. Va lire. Ok. J'envoie ça sur le chat. Hein. Non, 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 non. Oui. Oui, envoie sur le chat. Oui. C'est mieux. Je préfère. Même si tu es présent, ça ne gêne pas, c'est que c'est le test. Personne ne peut Voilà. intercepter. OK. Ce qui est intéressant, c'est que les communications sont cryptées de bout en bout. Donc, de ce Ah, côté, d'accord. Oui. tu peux dormir tranquille. Voilà. On dit bienvenue. C'est parce que c'est le gratuit. Hein. Oui. Donc, je prends particulier, usage personnel. C'est parti. Voilà. Tu vois déjà, il te. Ah, à la blanche, ça me dérange.
Il te propose déjà, tu vois, page LinkedIn, YouTube, Twitter, les RTM personnel. Profil donc, ton compte personnel même, tu peux diffuser aussi là-bas. Opinion, c'est sûr. Bon, maintenant, j'ai dit Tu as les cliqué équipes sur quoi? par. Destination, hein? Oui, destination. Ouais. Tu as cliqué sur particulier d'abord. Ensuite, tu es parti sur Justement. destination. Comme on est Destination ensemble, je note maintenant. quand même le cheminement, on ne sait jamais. Oui. Donc, Maintenant, particulier, je puis viens à la destination. diffusion. Donc, voici le truc. Je viens à la diffusion. Diffusion, je crée. Hein? Oui. Diffusion Oui. directe Oui. ou vidéo préenregistrée. C'est-à-dire que tu peux faire une vidéo préenregistrée. Oui. Oui. Maintenant, enregistrement dans le studio. Tu peux faire un enregistrement et les gens suivent. Maintenant, héberger un webinaire sur Soumya ou l'intégrer à une page. Voilà. Maintenant, oh, toi, tu veux diffuser. Tu vois, on dit Oui. studio ou vidéo préenregistrée. Non, Oui. toi, tu veux diffuser. Donc, c'est Ah. studio. Oui, studio. Maintenant, Oui. au niveau de la diffusion, on te dit de sélectionner les destinations. Les destinations, c'est quoi? C'est la liste des destinations que tu as vues ici, là. Oui, Enfin, avant. et là-dedans, je Oui. reviens, je crée, Oui. je choisis Studio. studio, destination. Tu vois, je prends Oui. par exemple. Par exemple, YouTube, je vais me connecter avec le compte Gmail qui a YouTube. D'accord. Donc, Oui, tu donc vois un le peu. compte de Gmail YouTube. Donc, par conséquent, voilà. Donc, si, l'IMR a un compte YouTube, tu mets ton compte Gmail et il va lier automatiquement. D'accord. Tu peux continuer sur pour tout, hein. Oui, je vois, je vois. Voilà. Oui. Maintenant, bon, attends. Mais Je par vais contre, dire. Info Maladie n'a pas encore de compte YouTube à proprement Vous parler. pouvez C'est créer, mon vous pouvez, propre les choses se particulier. Donc, créent. j'ai dit, s'il te plaît, il faut Il va qu'on crée créer. notre compte Oui, les IMR. comptes se créent. D'accord. Donc, il crée un compte, il fait un Sur peu de YouTube. 10 ans là-dessus. Tout, tout, tout. Oui. Bon, il sait On comment a ça se déjà passe. Facebook et on a LinkedIn. Voilà. Par exemple, je viens Facebook. Par exemple, si c'est une page Facebook, je vais me connecter. Du coup, il va vouloir lier. Je pense qu'il va vouloir lier ma page Facebook même. Parce que, comme je l'ai déjà fait. Tu vois déjà, non? Comme j'ai une page, j'ai. Oui, une page. Tu Oui. vois, je Oui. fais. Par exemple, je peux faire. Ok, ça a déjà été lu, tu vois déjà. Je peux encore continuer le groupe. D'accord, Je fais oui. pareil. Le profil, je fais Oui. pareil. Twitter, je fais. Donc, maintenant, dans le titre, c'est quoi? Comme tu m'as vu écrit là-bas, par exemple, le jour là, c'est. Elle va tout te donner comme Comme information. information. Le titre, c'est quoi? Événement. Ah. Voilà. Bon, Ouais. et événement, événement sur les maladies rares, par exemple. Oui. Hein? Elle va te Oui. donner une description. C'est-à-dire, c'est sur 5 000 mots. Elle va te donner une Oui. description. Oui. Voilà. Et après, si c'est à l'instant T, tu vois Oui. un peu, si c'est à Oui. l'instant T, tu crées une diffusion. Ah Si oui. c'est. Bon, oui. Bon, j'ai créé IML. Voilà. Pourquoi? Parce que Facebook doit lire. Oui. Attends, quand quelqu'un vient de créer C'est son plus tard, StreamYard là, hein? tu as cliqué sur quoi? Usage personnel, travail professionnel, enseignement en petite entreprise ou quoi? Tu as cliqué sur usage Voilà. personnel après avoir créé. J'ai cliqué par défaut sur usage personnel. D'accord.
et c'est ça qui Oui, j'ai reçoit cliqué par ces défaut personnes. sur l'usage principal. Voilà, tu peux même. Tu peux ignorer. Tu peux ignorer. Parce que quand tu crées, quand tu achètes le package, StreamYard te donne déjà ton canal. Hein. Tu ne peux pas aller au-delà. Oui, tu ne choisis Voilà. plus. Voilà. Donc, tu peux programmer. Par exemple, Teddy peut programmer peut-être 2 heures avant. Hein, donc, tu commences, disons, par exemple, à 15 heures. C'est ça, non, Rose? Oui, ça commence à 15 heures. Voilà. 15 heures. Teddy prépare, par exemple, une miniature. Ça fait que celui qui est abonné à votre page, abonné à YouTube, non, il voit et les décomptes. La décompte est lancée tant pour moi. La décompte est lancée. Mais comme donc, vous avez déjà vu ça, nous on crée directement. Voilà. Voilà, je crée. Ok, il me demande d'accéder, patati patata. Autoriser Oui, vidéo et autorise. audio. Voilà. Maintenant, le nom affiché. Il n'est pas obligé de mettre son nom parce qu'il y aura beaucoup de conférenciers. Donc, il peut mettre quoi? Conférence, je sais pas. Modulator. Voilà, justement, conférence. IMR, si tu veux, ouais, si tu Voilà. veux. Ou bien, il peut dire IMR, il met la date. Ça dépend de lui. Voilà, Il y a 26. plusieurs personnes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 17. 17, 17. Ou bien, je peux dire conférence du 17, ouais. 12, 22. OK. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Voilà le nom donc qui sera affiché à tous ceux qui seront, même chez moi, c'est le nom là que je vais voir. C'est-à-dire conférence IMR, voilà. Je continue. Ah, sinon, ça c'est vrai. Il y a conflit parce que j'ai lancé autre chose. Puisque nous sommes en StreamYard. Tu vois. Maintenant, en principe, ceci est activé. Caméra activée. Et aussi, pardon. Il faut aussi avoir la caméra parce qu'ils seront assis. Donc, quand quelqu'un prend la parole, tu diriges la caméra vers lui. Tu vois un peu Normalement, ce que je veux dire? les là, non, la caméra. Mobile. Tu as une caméra mobile ou bien Oui, mobile. Non, Mobile. non, bon, là, je n'ai pas la caméra mobile. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on voit comment la personne se lève ou bien tu tournes l'ordinateur vers la personne. Sûrement, c'est ça. Hein. Parce que, mais D'accord. même l'ordinateur aussi va un peu Pour trop toi, faire par exemple, essaye un peu de voir où on peut louer ça. mobile. Je regarde, bon, c'est vrai que voilà même Je le pense truc à la que je maison vois. même, à la maison, donc la maison qui fait encore office de siège. Il y a la caméra, il y a une petite caméra mobile, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisée. J'espère qu'on n'a même pas jeté ça à la poubelle. Il Tellement faut toutes les rouler. caméras sont déjà intégrées sur les ordinateurs, c'est quand on avait le desktop qu'on utilisait la caméra mobile. Je Voilà, sais vous essayez un pas peu de rouler comment ça. on Voilà, fait. maintenant donc, voilà, ici donc, tu auras donc, après donc, je diffuse. Parce que ça Attends, ne ça dit fait beaucoup rien. de trucs, il faut quand même caméra mobile, micro, c'est ça? Micro haut-parleur. Haut-parleur. Oui. Et après, Essaye de te rapprocher de Jack. Jack peut te D'accord. trouver ça. Oui, Jack peut Ça te trouver. marche. C'est un gars très, très efficace. Tu D'accord. trouves Jack. Hein? Ah, c'est ton. Oh, excuse. Ouais. Oui, ton Oui, c'est prochain. ton enseignant qui l'appelle Jack. Tu vois comment Ah, il le traite comme le cul, alors que toi, tu le prends avec les deux mains. d'accord. Oui. Non, 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 le terrible Jack. Donc, ici, donc, dès que donc, tu as ajouté tes gens, dès que tu as ajouté tous ces gens-là, hein, donc, avec toutes tes plateformes, tu passes à la description, donc, ici. On te dit, il te demande encore, hein,
partir, patata. Bon, ça c'est vrai. Ça ne sera pas enregistré parce que je suis en mode gratuit. Mais en Oui. mode supérieur, ce Excuse-moi, je sera veux pas. enregistré. Je suis en train de. J'attends d'abord que tu finisses de faire toute la présentation ou bien je peux déjà lancer l'achat de StreamYard Non, 109 dollars. attends que je termine la présentation. D'accord. Oui. Maintenant, donc, là, tu peux enregistrer. C'est-à-dire Oui. quand nous sommes en abonnement supérieur. Ça fait qu'après la diffusion, que ça met 3h, 3h20, toi, tu peux récupérer ça ici pour archive. Peut-être Oui. retravailler ça avec Canva, avec Camtasia. Tu vois un peu ce que je veux Oui. dire? Je vois, je Remettre vois. maintenant de façon découpée dans le site. C'est-à-dire les moments forts dans le Oui. site. Voilà. Donc là maintenant, je passe en direct. On patiente. Tu vois, je suis déjà, on dit bien en direct. Ça fait que Oui. celui qui est abonné à ta page, il voit Oui. déjà. Enfin, D'accord, ceux qui d'accord. sont abonnés à ma page voient déjà le vide, dans le noir. Oui. Celui qui est dans YouTube, il voit aussi. Bref, partout où tu as Facebook, attaché, YouTube, tu LinkedIn. vois ça en live. C'est ça un peu l'avantage de StreamYard au D'accord. détriment de Zoom. Oui. Tu vois. Maintenant, Je donc, vois. un, voilà. De deux, la bannière. J'ajoute ma bannière. J'espère que tu vois, non? Oui, je vois, je vois. Voilà. J'ai dit, par exemple, config. Donc, ta bannière, c'est quoi? C'est que tu peux C'est qui mettre défile des en bas là? informations. Oui, tu peux mettre des Ah, c'est le informations. texte qui défile en bas là. Oui, Oui, oui. 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 Et il peut rajouter du texte au fur et à mesure de l'émission ou. Justement, je peux au fur et à On va mesure mettre ajouter. des messages des parents d'enfants malades rares. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle de celui qui est là. J'affiche. Tu vois, je peux demander à ce que, bon, ces cours, en temps normal, ça doit défiler. Oui. Attends, attends, je. Voilà. Je n'avais pas cliqué. Tu vois un peu. Voilà. Tu vois un peu. Oui, je Ça vois, je vois. défile. Forme Tu bleue, peux oui. changer la couleur, hein. Tu Oui. peux, comme on dit souvent chez nous, tuner. Oui. Voilà. Maintenant, donc, le logo, si. Ah. Quand elle va effectuer l'achat, tu Oui. verras, on peut changer. D'accord. C'est-à-dire, quand, par exemple, tu prends la parole, par exemple, Ah, il va dans quel tu truc? vois, C'est dans Marc qu'il part rentrer. Marc, oui, il peut changer D'accord. la couleur bleue, il peut, son logo, tu Oui. vois. Tu vois même ce qu'on me Oui, dit, je non? vois. Je ne peux pas. Donc, par défaut, j'utilise le logo de StreamYard. Donc, tu vois, par exemple, superposition. Tu vois, bon. Comme tu vois souvent dans les chaînes TV, en direct sur. Hein, tu peux mettre Oui. ton logo en direct sur. Donc, c'est un truc que tu peux préparer. D'accord. Hein, c'est une image que tu peux préparer. Je masque. Tu peux continuer. Le compte, bon, il y a tellement vraiment. C'est-à-dire le fond, le background. Tu vois un peu déjà. Oui, voilà, je Il voudrais que le background de tous les présentateurs, si possible, même si tu es à y Yaoundé, même si tu es où, que bref, le derrière, non, comme le mur est blanc Oui. là, que le derrière de tous les présentateurs soit le logo d'Info Maladie Rare. Voilà. Il peut vraiment, c'est-à-dire, il a, comme je dis souvent, l'éventail de possibilités. Et tout ça, c'est dans Marc qu'il trouve tout ça. Justement. Donc, Oui. maintenant, les commentaires, tu vas recevoir les commentaires des gens, des gens Facebook, Oui. YouTube, LinkedIn, Twitter, c'est ce que tu vas les répondre. Tu peux faire en même temps les publications, hein? Ah, aussi l'explication. Oui, voilà. Oui. Ici, tu peux aussi faire. Oui. C'est-à-dire, pour que eux là-bas aussi, enfin, c'est comme, c'est-à-dire, tu interagis avec eux. Comme quand Tu on vois demande souvent. aux gens que est-ce que vous nous entendez bien, tu peux écrire Oui. là-dessus.
lever le pouce Voilà. ou voilà, je sais pas. Par Par exemple, exemple, tu peux est-ce que... faire le Ah résumé. oui, Le tu peux lever le résumé. pouce sur YouTube. Ça se voit. Maintenant, le chat privé. Le chat privé, c'est entre les participants. Oui. Voilà. Par exemple, par exemple, je peux t'écrire en te disant, vraiment, je vais accuser 2 minutes de retard. Pendant ce temps, lance ton spot. C'est donc, Oui. c'est toi qui prépares tout. En fait, c'est quoi? Mmh. Pour te dire, grosso modo, tu es le réalisateur TV. D'accord. Voilà ton travail. Bon, et pour relancer le spot, on part à présenter, non? Afin de partager l'écran. Voilà. Oui. Donc, pour lancer le spot, il y a quelque part une vidéo, clip vidéo. Tu peux décider de prendre. Tu vois, non, je peux ajouter pour moi. Pendant que nous y sommes, je vais voir si j'ai encore quelques clips vidéo. Je Parce que du coup, suppose. c'est ça que je voulais dire. Quand on ne voudra, quand on voudra éventuellement faire une petite pause avec les spots là, est-ce qu'on peut Oui. lancer le spot et entre-temps Oui, nous continuer à regarde. discuter Oui. en Raison pour backup? laquelle j'ai mis en boucle. Ça passe là Ah, en boucle. nous on est en train de discuter, mais pourtant les gens dans le direct, et ils voient 22, 23. C'est ça? Voilà, justement. Et ils ne nous Donc, entendent pas. Et ils sont en train de voir non, juste 14, 13, machin là. non. C'est-à-dire, attends, je vais chercher. T'es en Ouais, train de ma vouloir machine. sortir ou pas, la vidéo? Ma machine n'a pas. Je n'ai même pas de vidéo. Bah, vraiment. Attends, je cherche. C'est-à-dire, sur 1,5. 5 Tera, je n'ai pas de vidéo. Ah, attends, les vidéos de formation. Ok. Ok. Voilà, Ok, t'es tu as. dit. Et Oui. Edouard aussi propose des vidéos de formation en ligne. Donc, tu pourras faire aussi sa pub auprès de... Tu vois que là, il est en Voilà. train de tout former en live comme ça, Joe. Ah. Maintenant, donc, qu'est-ce que je fais? Oups, cette vidéo est un peu trop longue. Ah oui. Ah, c'est ce qu'on dit là-bas. Hein? Ben, c'est ce qui s'est affiché. Mmh. Maintenant, je ne sais pas si... Justement, je dois avoir. Envoie-moi un peu ton spot. Tu as ça là. Attends, je quitte le plein écran. Oui, Je envoie-moi un peu dune. ton spot. On essaye. Oui. Le spot, c'est dans mon YouTube, il me semble. Ah, YouTube, attends, Attends, attends. On je... va faire comme on faisait à la Camerounaise. Parce qu'à la Camerounaise, nous, c'est comment on récupère tout ce qui est YouTube. C'est où le spot? Montre-moi. Je suis là dans ton truc Où je aussi. suis placée avec un répé blanc comme ça, là, en veste. Ah, très vieux comme ça. C'est Ah. le Force. premier grand prof président de l'association des personnes avec maladies rares aux États-Unis. Et c'est même 3 minutes, c'est bon, donc. En 31. Bon, Ah, du coup, ça donne-moi. permet aussi à Teddy de voir comment tu récupères des données pour venir les infiltrer. Je viens de mettre dans le chat aussi. Attends, tu as fait ça avec. Attends un peu. Tu Clean vidéo, point. as fait ça avec ceci. Oui. Teddy peut te faire ça avec Camtasia. Quoi? Camtasia. Camtasia aussi. Tu sais, Rose, quand on va être pro là, il y a des choses qu'on ne fait plus. J'ai des signatures en bas là même. C'est pas cool. Tu vois un peu. Camtasia. C'est-à-dire, voilà, Camtasia. Si, Je vais envoyer si. ça. Là, c'est l'infographe qui gère mes Teddy. Ah, Oui, Camtasia. c'est mieux avec Sonia. Ah, Camtasia, voilà. ça s'écrit comment? Comme ça Cam s'entend. T, oui, C-N. Cam, Camtasia.
T-E-S-I-A. D'accord. Donc, Sonia, tu lui envoies ça tout de suite, comme on est en... Oui, c'est vrai que c'est payant. Hein. Elle cherche comme elle est sur Internet, elle cherche une version pour contourner. Si elle est à Yaoundé, ou bien je vais voir comment je peux uploader. Ah, ça y a téléchargé. Ah, ma connexion là va vite aujourd'hui. Hein. Ah, ça, je sais la pas. Prière. Que je l'ai bien prié le matin, mais reviens là. Dieu a dit que, au nom de Jésus, là, toutes tes affaires vont marcher. La fibre. Aïe. La fibre, la vie. Voilà. Bon, c'est vrai, c'est la prière. Je ne peux pas quand même te décourager. Comment? j'étais où là, voilà. Au moins, c'est 3 minutes. Donc, en 3 minutes, je peux, ça devrait s'afficher. Voilà. Ça charge. Tu as fait quoi? En passant. J'ai chargé, je suis en train de charger le spot pour maintenant afficher. En passant. D'accord. En passant. C'est un peu. Donc, c'est ça qui va afficher pendant les heures de pause. Elle va ajouter quelques images parce qu'on a quand même mené l'activité de février là. Donc, et en fait, c'est quoi? Elle va monter le spot. Et le spot ne doit pas dépasser 5 minutes. Oui, oui. Elle fera un truc toujours dans l'intervalle. Oui. Et non seulement ça ne doit pas dépasser 5 minutes, ça doit être en full HD. Ici, là, c'est en train d'être uploadé en patient. Comme j'ai pris un truc de 31 mégas, c'est normal. HD. Oui. Tu as pris quoi de 31 mégas? Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai téléchargé. Je vais te gérer. Merde. Tout ça, je suis en direct. C'est madame qui vient de demander que c'est out. Non. En fait, c'est que c'est aussi ma secrétaire. Non? Donc, elle me rappelait qu'entre temps, selon mon agenda, j'ai tout avec quelqu'un d'autre et je lui disais d'essayer de repousser toujours. Donc, ça charge. Donc, entre-temps, ce que je trouve génial, par contre, Teddy, tu vois, ce qui passe en direct, c'est ce que je te demandais par rapport à Zoom Meeting, que comment faire ça pour que nous, on soit en back-office, mais les gens, et ils voient notre spot publicitaire, comment ça défile. Et nous-mêmes, on peut se voir, parce que nous aussi, on voit ce qui se passe, mais nous, on est en back-office et les gens, ils ne nous voient plus. Oui, maintenant, après, Edouard, tu montreras à Teddy comment faire pour revenir à nous, pour que les gens de YouTube recommencent à nous voir, nous, après le spot publicitaire. Oui. Mm-hmm. En fait, le spot, c'est quoi? C'est que les gars de YouTube vous voient. Ils voient le spot, par exemple. En attendant que ça charge, là, je lance un peu celui-ci. Tu vois un peu? Ils voient ça. Tu vois un peu? Mais maintenant, Teddy, donc, non seulement il lance le spot en bas là, il peut mettre un message pour dire que les participants, je ne sais pas, un message pour ne pas rien. Voilà, justement. Entre-temps, déjà, faites vos envois sur le numéro tel, les gens qui doivent faire les donations là, pendant que ça... Voilà, justement, un petit plus comme ça. Maintenant, il peut augmenter le volume, ça passe là. Or, le spot a déjà ton son. Donc, il peut enlever le son de fond là, la musique de fond. Tu vois un peu? Oui. Et il laisse donc tourner l'autre côté. Donc, tant que vous faites vos choses là-bas, là, ça ne fait que tourner là en boucle. C'est quand donc maintenant vous terminez que Teddy Mask et
le participant qui est là commence à... Tu vois un peu? Tu vois, non, Teddy? Bon. Tu vois, Teddy? Bon, pas vraiment. Pose-moi des questions. Pour pas... Non, non. Quand tu as posé les questions, j'ai terminé. Je pose la question. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, quand tu arrêtes le compteur maintenant, si, et pour maintenant alors commencer même vraiment la réunion, comment ça se passe? Pour revenir après, bonjour, nous voici. Comment ça se passe? Tu partages. Parce que tous tes intervenants seront en ligne. Oui. Tous tes intervenants, tout. Attends, bon. Je t'ai déjà montré pour ceci, c'est bon, non? Je peux déjà quitter de là pour vous basculer sur Bistop. Et il y aura une page de garde. On va faire une page de garde. Il faut que je dise ça à Sonia. Page de garde. Voilà. Que dès qu'un spot finit comme ça, on lance la page de garde. Événement rare, centre de conférence, application mobile. Voilà. Donc, et après, maintenant, ça revient à nous qui sommes les conférenciers. Ok. Maintenant, tu vois, j'ai arrêté le partage. Maintenant, est-ce que ici, vous voyez tout mon écran? Non, attends. C'est moi qui dois plutôt partager tout l'écran. Dieu, non. Voilà. Ok, vous devez voir tout mon écran, c'est même bon. Là, on peut faire maintenant avec tout l'écran ici. C'est vrai que ça va faire un genre de... Oui, j'ai lancé. Non, je ne voulais pas lancer tout l'écran. Je voulais plutôt lancer Firefox. D'accord. Parce que là, il faudrait que Teddy puisse avoir la main sur OK, l'émission commence. On lance la page de garde. On atterrit sur nous. Dès qu'on atterrit sur nous. Donc, il veut connaître la transition, si j'ai bien compris. Transition entre la page de garde qui est lancée et le fait d'atterrir sur les conférenciers. Le fait de quitter du conférencier pour atterrir sur la vidéo spot. De requitter de la vidéo spot pour atterrir encore sur nous. Ok. Voilà. J'ai partagé. Ok. C'est bon. Donc, alors, je viens à Marc. C'est à Marc que j'étais, non? Oui, pour la vidéo, tout ça. Voilà. Alors, quand il y a une pause, quand il y a une pause, tu peux lancer un truc qui passe en fond. Là, on ne s'entendait plus. Oui, mais la vidéo passait en fond. Ah. Mais la réponse à ta question. Quand vous êtes en pause, tu lances donc ça. Ça signifie que tout ce que vous allez, tout votre bois là, les gars de YouTube ne sont pas au courant, les gars de Facebook ne sont pas au courant, mais ils voient plutôt la vidéo. Le spot qui passe. Tu vois. Et mais nous, normalement, on doit pouvoir communiquer pendant que la vidéo est en train de passer. Voilà. Tu vois donc que c'est quand donc j'ai donc coupé le truc, le spot. Oui. C'est là où vous revoyez encore ce qu'on voyait. Voilà. De toutes les manières, dès que je baille là, Teddy, on pourra déjà faire les tests. Si tu es bloqué. Justement. Je vais te donner le numéro de téléphone d'Edouard, tu pourras le recontacter pour
lui faire part d'un éventuel blocage qu'on aurait eu en testant. Parce que c'est bien qu'on soit minimum deux pour tester. Oui, deux ou trois ou quatre max. Voilà, ou quatre, c'est ça. D'où Oui. l'importance de la réunion dont je parlais le 23, là. C'est même bien comme Edouard m'a demandé de le relancer aussi le 23. Il faudrait qu'on fasse une totale mise au point le 23 Voilà. pour que on voit déjà comment ça se passe, l'interaction StreamYard, YouTube, Facebook. Il y a une personne qui peut être connectée sur Facebook, l'autre sur YouTube, et on voit comment est-ce que le réseau est déjà huilé. Ah, Ok. tu dis. Eh bien, finalement, le webmastering. Ah, ça c'est bien. On apprend chaque jour avec. Même pas mes compris, je peux continuer à soigner mes dents. Oui. Parce que quand j'ai vu la succession, c'est le code, c'est quoi là, les YZ sur 50 000 lignes, j'ai dit que non. Mieux je vois ma dent tranquillement. Mais t'es dit, Oui. j'étais en train de montrer à Rose les lignes de code juste pour sortir, pour placer le logo. Elle m'a dit que ça donne des journaux dans la tête. Dans le truc Mais là, donc. un temps, nous, on nous voit un peu comme les fous, hein. Quand tu prends juste des lignes de code juste pour afficher et c'est juste pour faire une section, les gens voient ça comme si c'est la folie, mais alors que Non, nous, mais c'est ça. attends. Et je me disais que puisque je conçois la version mobile, et ça Oui. tombe même bien parce que j'aime bien quand j'en face de moi quelqu'un qui est perceptif et qui est aussi réactif. Là, j'ai franchement apprécié ça. C'est-à-dire, Oui. qui vraiment ne se jette pas les fleurs, on se comprend un peu. C'est-à-dire, qui est très simple parce que. Honnêtement, c'est ce que je dis souvent à Rose, que vraiment, si tel est compliqué, je ne sais pas qui est même plus compliqué que moi. Tu vois que pour que Jack m'arrête, Oui. même au ministère, Jack ne me voit pas. Donc, oui, en passant, puis il vient me dire, prof, gars, quand je suis en train de taper mes codes, lui-même, il comprend qu'entre-temps, là, Oui. le gars s'est concentré. Il sort seul. Tu vois un peu. Oui. Donc, t'as dit, c'est que quoi? C'est que le temps et tout et tout. Donc, je ne sais pas si elle t'a fait part des captures d'écran. Parce que j'ai quand même fait un truc rapide. C'est un truc rapide. Ce n'est pas vraiment optimal. Parce que pour que ça soit optimal, il y a un certain nombre de préalables qui doivent être Là, il faits. te parle déjà de Oui. l'application. Oui, Oui, justement, un ça j'ai nombre entendu. préalable. Il m'a montré un peu, mais mon téléphone avait du mal Oui. à entrer dans l'application. C'est parce qu'elle est en Android 12, la version que j'utilise, il faut la mettre à jour. Donc, je te parlais des licences. Tu vois Oui, je que comprends. c'est trop high pour l'instant. Donc, oui, puisque la licence, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 50 000, c'est 1 million quelque chose. Aïe. Oui. Ah ouais, pour Donc, ce genre de... par exemple, tu vois quelqu'un te développer en, je ne sais pas, essayer de faire des recherches sur WinDev, WebDev et WinDev. Je connais Windev. Voilà, tu vois J'ai que entendu parler de lui. sa licence est vachement chère. Oui. Oui. Et Ils se font du beurre, hein, ces gens-là. ah oui, ils se font du beurre parce qu'ils sont venus résoudre beaucoup de problèmes. Ouais, ils sont venus résoudre beaucoup de problèmes. Rose, le truc que je t'ai montré, qu'on a eu à travailler en ligne là, je puis te rappeler que je l'ai développé en moins de 24 heures. Le truc que je disais que démonstration seulement rapide. En moins de 24 heures. Attends, celui qui utilise d'autres langages, pourquoi tu fais ça en moins de 24 heures? Tu comprends pourquoi l'autre, j'oublie son nom, disait que c'est un truc qui prend du temps. Il a raison. Et logique. Éloge. Voilà. Il utilise les langages traditionnels. Par exemple, Android Studio, où il faut coder tout. Non. Windows, vraiment, t'épargne de cette affaire.
tout ce que tu fais maintenant, c'est d'écrire tes codes métiers personnalisés. Je veux que maintenant, je veux que quand je vois la photo de Teddy, que son arrière-plan soit vert, par exemple. Tu vois un peu, des trucs comme ça. Mais dis que je veux placer la photo de Teddy en un nom. Vraiment, Windev t'épargne un peu des mathématiques approfondies. Oh, Android Studio, non. Android Studio, il faut être un bon matheux pour développer avec Android Studio. Parce qu'il te faut avoir des notions en symétrie, en géométrie. Parce qu'Android Studio, c'est la géométrie. Longueur, largeur, profondeur. Tu vois? Donc, j'ai fait un truc, bon, peut-être la réunion du 23. Oui. Il faut que tu sois aussi là. Oui. Tu pourras aussi apporter tes amendements là-dessus parce que maintenant, celui, pour que l'appli soit réellement testée, il faut quelqu'un qui a Android en deçà de inférieur ou égal à 7. Inférieur. Parce que même ici à la maison, il y a quelqu'un qui a Android 12. Ça ne m'avantage pas. Tu vois. J'essaie de voir sur mon téléphone. Voilà, essaie de regarder dans ton téléphone. Oui. Parce que tu as Android 7, là, je suis très heureux. Elle va t'envoyer donc l'APK. Tu installes et tu testes en réel. Tu vois un peu. Tu as Android combien? C'est 9. Oui, à partir de 9. Pourquoi parce que... 9. Oui, parce qu'à partir de 9, il faut que je puisse être à la version 20, au moins 27 de Windev. Oui. Le DSI du ministère a dit qu'il va mettre à jour l'année prochaine. À moins que Rose est plus efficace et elle en France. Ouais, un peu, elle peut nous gérer ça. Ça quoi? Quoi? Elle a la capacité là. Elle peut. Oui, voilà. Vous faites quoi? Je n'ai pas suivi. Il y a Françoise Mango qui est en train de m'écrire là, qu'elle m'appelle dans une heure de temps, dont je lui répondais. Oui, que quoi? J'étais en train de dire que il dit qu'il a enlevé de 9. C'est pas bon. La version que j'utilise prend en charge. La version que j'utilise prend en charge la version Android 7 en descendant. Maintenant, mon DSI tarde à mettre à jour les versions. Si maintenant tu es efficace, tu peux devancer le DSI. Maintenant, donc, je vois comment. Laisse-moi terminer. Je peux voir comment je peux dire DSI d'amorti. Par exemple, si par exemple tu te lances, je dis au DSI qu'entre temps, il y a quelqu'un qui s'est lancé, mais vous devez compléter tant. Il va compléter, il n'a pas de souci. Parce que lui, il m'a renvoyé l'année prochaine, donc certainement l'exercice de l'année prochaine, non? Donc, on va souvent s'en écouter les budgets dernièrement. On aime écouter les budgets, là. C'est le sport préféré des ministres. Après, on ne sait pas à quoi sert ce budget. Oui, donc, c'est là où donc, il va donc acheter, il va mettre à jour ses licences en 28. Là, ça fait que Teddy qui a la 9, toi qui as la 12, ici à la maison, la 12, un peu donc, vous pouvez. Donc, tout le monde peut accéder. Ça veut dire que ton appli, là, Teddy, lui, peut accéder comme lui, il a la 9, c'est ça? Essaie un peu d'envoyer à Teddy. S'il réussit à installer, c'est bon, là, il serait content. Essaie un peu de forwarder le message à Teddy. S'il réussit à installer, c'est là vraiment, il serait content. C'est pas mal, déjà, les gens peuvent y accéder. Justement, parce qu'il y a des tests. Ici, là, c'est un peu mort, dans le sens où tout le monde est le dernier. Et je voulais juste ajouter un petit quelque chose. La base de données, c'est Teddy qui va comprendre ça très rapidement et il pourra t'expliquer en des termes très faciles. La base de données n'est pas en ligne. La base de données est dans le téléphone. Donc, j'ai fait un système embarqué.
Tu vois un peu. Oui, je vois, je Pourquoi? vois. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est le mobile. Le mobile, s'il fallait développer pour grand public, ça allait prendre un peu de temps. Il fallait développer un web service. Hein? Le Oui. web service, il est intégré dans l'appli. Tu vois un peu. Parce que Oui. certains URL même, je vais même t'envoyer, hein, pour que tu intègres dans le site. Ça fait que quelqu'un, par exemple, qui commente ici, par exemple, Voilà. même ton forum là, hein, même le forum, nous allons trouver comment l'adapter dans le mobile et je t'envoie plutôt l'URL. Synchroniser. Tu vois un peu, et là, toi, tu intègres juste. Ça fait que tu vas arranger l'affichage comme tu peux l'arranger. Quelqu'un, par D'accord. exemple, qui fait un truc ici, dans le mobile, hein, Oui. il voit, enfin, on voit ça sur le web aussi. Et pareil avec les dons, j'ai vu beaucoup de trucs. Donc, donc, ce que j'ai fait, c'était juste pour l'événement du 26, tel Oui. qu'elle me disait. Rapide, Et on rapide. leur précisera ça pour que là, les gens puissent accéder à ça dans leur téléphone, mais qu'ils sachent que c'est la Voilà. version expérimentale. La version Voilà, définitive a justement. besoin, il faudra parler de ces détails financiers-là, donc d'une licence Justement. et de si, ça, donc Voilà. incontestable. Voilà. Parce Donc, que, tu sais, Rose, il y a des domaines sensibles auxquels vraiment on ne joue pas au dur, comme j'aime souvent le dire. Il y a les données diplomatiques, il y a les données médicales, il y a les données bancaires. On le joue là-bas, on devrait mettre en réalité la sécurité au max. Supposons que quelqu'un en ligne intercepte Le dossier l'affaire des médical d'une maladies, personne qui a le VIH, donc ça on ne c'est sait même pas dangereux, pourquoi. ça que rien ne sait. Raison pour laquelle, si tu me suivais lors de notre réunion en présentiel avec l'autre développeur, je lui disais, tu peux faire le front-end, moi, n'ai pas de souci, mais je me charge du back-end parce que je sais ce qu'on appelle sécurité, confidentialité des données, puisque j'ai fait une certification dessus. Donc, je sais ce qu'on appelle confidentialité des données. Oui. Oui. Et c'est là dont j'avais donc opté pour WinDev, parce que non seulement ces services sont au minimum sécurisés, Oui. oui, s'il faut même héberger son ministère, je peux t'épargner dans un premier temps des frais d'hébergement, je peux héberger au ministère, puis c'est moi qui gère ce serveur. Là-bas encore, c'est ultra sécurisé, et dormir tranquille. Oui, donc voilà un peu grosso modo. Maintenant, pour le faire, il faut un mettre à jour les licences de développement. Ça, c'est un impératif. Pourquoi? Parce que tout ce que les gars développent avec Android Studio, moi, je peux revenir. Je. C'est quoi que tu Voilà, montrais? attends. Tu as pu. L'application. Ça Ah, marche. j'ai installé. Ah, tu as Oui. pu installer. J'ai pu installer, ça s'ouvre. OK. Et moi, je suis dans l'une des mêmes. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que plusieurs personnes au Cameroun pourront ouvrir. Voilà, ça c'est cool. Ah Ça ouais, c'est c'est cool. super. Tu Trop vois, bien. bon, on va faire Je le vois que je charger. vais encore arranger ça, c'est bête. Je vais encore arranger la Donc, page. tu peux visiter aussi si tu veux. Je vais envoyer dans le Voilà. forum de l'association. C'est bien comme Tédia y a pu ouvrir. Je vais envoyer dans le forum de Essaye. l'association et demander aux autres du forum de tester. Oui, Même dans donc, notre ça forum application là, on va mettre ça là pour que fait. les autres aussi testent. Non, on a mis erreur. Oui, lis-moi un peu, je ne lis pas. IMR, fais la capture Avant de d'écran. l'espacer malade, nous vous invitons à vous identifier. Mais c'est normal, Ouais. inscris-toi. Oui, Parle, dis-le. c'est vrai. Il faut Ouais, se ouais, ouais. connecter d'abord. Voilà, Là, inscris-toi. Là, tu vas voir en bas, inscription. peut-être il ne faut pas mettre, il faut enlever le message erreur, ça peut effrayer les gens. Peut-être il faut Justement. mettre le message Non. Clique. connectez-vous d'abord. Je m'inscris alors. Inscrivez-vous d'abord. Oui. Clique sur connecter.
Ah, sur inscription. Inscription, Oui, ouais. d'accord. Voilà. Tu vois dans Edouard, plutôt que d'avoir le truc erreur qui apparaît là, Ah, il faut ouais, qu'on ait je vais directement la lettre qui te dit me... inscrivez-vous d'abord ou inscription. Ouais, je C'est vais possible, mais persévérer. sinon, c'est pas grave. Tu vas En expliquer fait, ça en live le jour J. justement, parce que en live, on va corriger beaucoup de choses. Après ça, je vais faire pas, je réenvoie et tout réjouir. Voilà, c'est bon, tu t'es déjà connu. Là, je crée mon compte. Je sais Voilà, pas crée si tu normalement ton compte, tu ajoutes un Non, tout certain nombre ça, de tout choses. ça. Ah non, mais c'est parfait. Voilà. En ce qui Non, concerne c'est la... cool. Bon, c'est vrai que là, c'est déjà, on est déjà sur autre chose aussi. Mais en ce qui concerne la visioprojection, est-ce que tu es dit et OK sur tous les paramètres de base qu'il devrait savoir? Bon, Parce qu'il y a j'ai très très d'abord... bien compris. Non, non, après, gars, je suis en train, justement, même, bon, là, j'ai bien compris. Mais quand tu vas payer aussi ta part, là, voilà, bon, C'est ça que je et voulais payer je... pendant qu'on est en train de parler ici. C'est ça que je ne voulais Oui. pas qu'on se déconnecte avant que je ne paye. Comme on est Tu peux... ensemble en ligne là, je paye Ah, tu pendant peux qu'on est en donc train de payer. parler et on teste Oui. déjà quelque chose, surtout sur Oui. le changement de logo et tout ça là. Oui, tu peux payer. Là, en somme, dès que tu payes, t'es dit, si il a très bien compris, il Oui. crée Donc, on s'est dit, c'est le la 39 diffusion. que je prends, c'est ça? Oui. Ok. De le faire. Une minute, je prends ma carte bancaire. Mais Edouard, quand tu mets lien de parenté là, c'est pour dire quoi? C'est pour mettre quoi, lien de parenté? Non. Lien de Et donc, si parenté. j'enlevais lien de parenté, là, non. Tu vas absolument Ah garder. bon, hein? Oui. Ah non, ça c'est certainement l'ancien. Ah, tu m'as dit d'enlever de mettre quoi? De simplement mettre lien. Ah bon. Donc, parce Mais qu'en lien, fait, lien essaie de de quoi? parenté, on se disait si ce n'est pas Ton frère. le patient même qui est, c'est son frère qui est en train de l'identifier ou sa soeur ou quoi. Mais Oui. quand on met quelque chose de générique, parce que lien avec le patient, peut-être c'est mieux de dire lien Ah avec le oui, patient. justement. Il peut dire Bon. c'est moi-même ou bien je C'est suis son frère moi-même. ou je suis sa soeur ou je suis un gars du ministère des Affaires sociales ou du MINPROF ou du MINSANTÉ. Lien Qui, dans avec lien avec le patient. le patient. OK. Bon, tu as dit le 23. Le 23. Le 23, pour moi, c'est un peu tard. Le 23 pour C'est un peu tard. Bon. Ah, pour quoi? Là, Le message. bon, là, je me suis connecté et j'ai fait Voilà. mon comme dernier. Envoie-moi, clique sur rapport d'erreur, là, je lis. Là, tu D'accord. m'envoies ça. Clique sur rapport d'erreur. Ça va Oui. et tu m'envoies ça par mail automatiquement, je vais voir. D'accord, ça marche alors. Oui. Je vais. Raison pour laquelle je voulais les tests pour voir comment ça se comporte sur le téléphone. Ça Certainement, m'aide. c'est un. Pile Java, pile W language. Attends, je t'envoie ça par mail. Oui, par lien. Oui. Enfin, soit tu envoies via la conférence, ou bien tu Donc, m'envoies un mail. C'est automatique, mais donne ton envoie-moi le mail. rapport. Oui, donne ton Sont des mail alors. bandits. Non, non, Hein. c'est automatique. J'ai Ils arrivent. Désolé de vous intégré mon couper. mail. C'est automatique. M'attendez. Oui, c'est bon. J'ai envoyé. Attends. T'es dit? Oui. Oui. Je disais que je suis en train de payer le truc. Les mecs, ils sont quittés de 39 $ à 49 $. Ou les frais définitifs en ajoutant quoi, TVA et je ne sais plus trop quoi. Ah, sur Ça, c'est le normal. StreamYard. Sur StreamYard, ça monte à Oui, c'est 49 normal. C'est normal. Il y a C'est les normal, la détails, les TVA chez taux, vous. tout ça, tout ça. Ce C'est que je bon, voulais Edouard. savoir, Oui. Hein? ce que je voulais savoir, pardon, avant que vous nous continuiez, j'espère qu'il y a possibilité de se désabonner après un mois. Bien sûr, puisque tu payes un mois. Oui, parce qu'il ne faut pas que ce soit un débit. Oui. Tu n'as pas J'accepte activé d'être débité 49 le renouvellement dollars automatique. aujourd'hui et je prends compte que mon abonnement sera renouvelé automatiquement. Non, Comment non, décoche. supprimer? Décoche, Décoche. décoche. Décoche Ils ne si. donnent même pas la possibilité de décocher. Non, ils vont toujours t'envoyer des mails pour dire paye, paye, Jusqu'à ce paye. que j'annule. Après ça, ils vont te couper.
D'accord. Parce qu'après, c'est notifié jusqu'à ce que j'annule. Voilà. Bon, ok. J'achète. Tu m'as envoyé un mail. Oui, toi aussi. Ouais, je dois recevoir. C'est que. Donne-moi quelques. Oui. Ah, c'est bon. C'est feedback, non? Feedback. Ah oui, feedback. Oui, feedback, oui. Ou bien je te renvoie encore ça à nouveau. Attends, feedback, j'arrive. C'est bon, j'ai Ok, c'est bon. acheté l'invitation. Vous avez maintenant souscrit l'abonnement professionnel mensuel. Vous avez Oui. débloqué les options suivantes. Pas de logo StreamYard sur vos diffusions. Streaming illimité, enregistrement, logo. Donc, bref, tout ce qu'on voyait. 10 participants à l'écran. 12 participants en coulisses. C'est quoi 4 sièges? Carte, c'est ça, je ne comprends pas bien. Ouf. À force de lire, je vais 250 comprendre. spectateurs. Voilà, ah, Diffusion. 252 spectateurs en live. Et logo, superposition, arrière-plan possible, multidiffusion, 8 destinations. Diffusion Voilà. en direct, son enregistré. Ok, OK. parfait. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ils m'ont envoyé un mail peut-être, et c'est le mail-là que je Ah, mais transfère. oui. Oui, Oui. regarde un peu le mail qui passe. Parce que tu as mis ton mail, non? Voilà. Renvoie donc les messages et dédie donc Credon. Et il nous envoie donc les liens. D'accord. Qui dit, je comprends, je Oui. vois le problème. Le problème, je vois le problème. Ah, ok, je vois. Je vais enlever l'animation, c'est l'animation. Je vais enlever l'animation. Ton téléphone ne prend pas en compte les animations personnalisées. Je vais Ah, enlever d'accord. ça. Oui, c'est bon, je vais enlever. Je vais enlever, ça va marcher. OK. Ok, c'est bon. C'est déjà une bonne nouvelle parce que Oui. l'application s'installe. Ça c'est C'est ça. pour moi, c'est déjà pour d'autres. Parce que tous les gars qui sont en version 9 là, ils essaient un peu d'installer aussi. Voilà, c'est cool. Ça marche. Par contre, comme pour créer son truc sur StreamYard, là, on a juste envoyé un code. Maintenant, Oh, si je me déconnecte pour me reconnecter sur ma page StreamYard, je fais comment vu que je n'ai pas de mot de passe? attends, et tu t'as envoyé le code à combien? Un code à 6 chiffres, n'est-ce pas? Après avoir payé, non? Non, non, j'avais d'abord fait en version gratuite, mais après je suis passée à la version payante. Voilà. Maintenant, donc, tu te connectes normalement. Tu mets l'adresse email. Donc, ouvre un N'est autre qu'avec l'adresse navigateur. email qu'on se connecte. Oui. L'adresse email. Parce qu'ils t'ont envoyé un mail, non? Pour Oui, il pouvoir m'a envoyé un résumer. mail. Et dans le mail, qu'est-ce que ça dit? Bienvenue, nous sommes ravis de vous accompagner dans votre projet de diffusion en direct. Si vous souhaitez rester informé, machin, machin, Facebook, guide rapide de démarrage, prochain webinaire, vous préférez apprendre dans un événement en direct, rejoignez-nous, machin, machin, foire aux questions. S'il y a quoi que ce soit, nous pouvons vous aider à répondre, répondez simplement à cet email, à l'adresse tac, tac, Partage un tac. peu, partage, partage. Je partage l'écran. Oui, D'accord. partage. Deux Pour que nos secondes. réseaux, on puisse être synchrone. Et Partager. C'était encore où que je me cliquais là? C'était où qu'on cliquait pour partager encore? attends, Est-ce j'arrive, qu'en je bas, partage. je À vois. présenter. Ah, Présenter. présenter, d'accord. Présenter. Diapositive.
Voici par exemple l'ancien que tu partageais, que j'ai autorisé. Maintenant, je supprime. Présenter, voilà. Partager l'écran. Voilà. Tu sélectionnes tout ton écran. Voilà l'écran que je voudrais partager. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il faut que tu me donnes la main. Comme tu l'as fait tout à l'heure. Non, partage. Je ne vois pas encore. Je ne te vois pas. Et là? Ah, c'est bon. Je tourise. Ok, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, voici la page où j'ai Binom et qui m'ont dit félicitations. Vous avez souscrit l'abonnement. Ça, c'est le mail. Hein? C'est le mail que je veux. Ah, c'est le mail que tu veux, pardon. Oui. J'ouvre ma boîte mail. Parce que le mail, il y a toujours des informations que parfois... Mais par contre, ils ne m'ont pas envoyé un deuxième mail. Je croyais qu'ils allaient m'envoyer un mail de facturation. Ils ne m'ont pas envoyé un mail de facturation. C'est où là? Clique là. Bienvenue. Je vois la StreamYard. Oui. Ça, c'est quand j'ai ouvert le truc gratuit tout à l'heure. Non. OK. Maintenant, donc, va donc alors sur. Entre maintenant dans StreamYard même. StreamYard, tu m'aimes. Voilà. Ok, merci. Je me déconnecte un peu, je me reconnecte. Non. Parce que j'ai peur que si je me déconnecte, comment je fais pour me reconnecter? Bon, c'est pas un souci, déconnecte-toi donc. Attends un peu, descends un peu jusqu'en bas. Revenu au tableau de bord. Reviens au tableau de bord. Voilà. Crée une diffusion. Je vais juste me rassurer quelque chose. Diffusion en direct. Voilà. Studio, oui. Destination. Ajouter une destination. Si tu as une destination YouTube, oui. Voilà, ça tombe bien. Tu passes directement. Voilà. Tu vois qu'il passe, voilà. Il a déjà lié. Autorisé. OK, c'est cool. Voilà, tu as déjà lié YouTube. Tu peux mettre le titre. Si tu veux encore ajouter Facebook, tu ajoutes. Tu vas ajouter Facebook, tu ajoutes. Voilà ton profil. Une page, voilà. Tu te connectes. Tu cliques sur connecter Facebook. Tu continues. Tu continues. Autoriser. Continue en tant que Rose. Tu continues. Attends un peu. Oh, zut. Plus tard. Attends. Créer contenu. Bon, on dit de choisir ce que vous autorisez. Tu peux choisir. Ah, ta batterie. Non, c'est pas grave. Je branche. La prise n'est pas loin. Non, je clique sur quoi? Continuer ou continuer. Sinon, si tu as des préférences, là. Non. Tu peux choisir ce que vous autorisez. Comme nous sommes en phase. Ah, tu vois que beaucoup de personnes sont en train de visionner mon abonnés qui dit que je suis en live. Ah, oui. Ils sont en train de voir ce qu'on fait. Ouais. Mais là, voilà. Ils voient ce qu'on fait. C'est une réunion privée. Ah ouais, bon, c'est pas grave.
C'est le TP. Ok, maintenant tu choisis la page. J'espère que c'est ça. Parce qu'on avait d'abord créé un truc là qui... Voilà, c'est cool. Ok. pouvez fermer cette Non, page. non, non, ça ferme seul. Ah zut, Ah, parce ça qu'ils m'ont écrit, vous ferme pouvez seul. fermer. Bon, je reviens. Bon, continue. Tu as vu le mécanisme. Tu mets le titre. Titre est requis. Voilà. Tu mets la description. Voilà. Maintenant, tu lances la diffusion si c'est maintenant. Pour plus tard, non? En fait, je Voilà. sais pas. Si c'est Comme on est pour en train de vouloir tester, c'est mieux de faire maintenant. justement. Après, donc, tu vas nous envoyer dans les liens. Voilà. Maintenant, ici, on patiente pendant que ça charge. Bon, tu peux changer le nom, Rose, ça dépend. Ici, tu mets tout ce que tu veux. Si ça te convient, tu dis accéder au studio. Voilà. Ah, fondé. Ah, mon ami. Founder. Non, On m'a c'est dit c'est en un fou banque. maladie, hein. Les banques, t'as dit, as-tu vu ton fondé? Ah, et me voici en train de rigoler au lieu de brancher l'ordinateur. Si ça se coupe là, on est mal. Ouais. Hop. Voilà. Maintenant, envoie, C'est invite-nous. C'est-à-dire, tu vas sur inviter. Va d'abord Invité. sur inviter. Oui. Tu copies le lien, tu nous envoies via WhatsApp. Je peux faire. Après, maintenant, ici, je vais arrêter. Teddy et Via moi, WhatsApp. maintenant. Oui, Oui. copie. Oui. Ah, tu peux faire La via même chose. WhatsApp ou via mail, ça dépend de quoi. Parce que je Parce que vais... tu. Voilà. Parce que vous voulez dire que comme... Bon, je vais m'envoyer à moi-même un mail alors pour pouvoir copier et vous envoyer ça. Voilà. Bon, t'ai dit, je te mets déjà comme toutes les manières, ta boîte apparaît. OK. Lien... C'est quoi encore la stream? Ton adresse, sinon, donne-moi encore, Edouard. Edouard, non, ça c'est... Hey. Non, non, non. Encore quelle adresse que je peux te donner? Edouard.etolo. Edouard. Point. Non, 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 change. C'est My Project. Parce que c'est un projet. My Project. Tu devais déjà voir ça. Project en anglais avec S à la fin. @isoft.cm. .cm. C'est ça? Voilà. Ok, je vous envoie ça tous les deux. Mais après, il faut que je puisse envoyer tout à Teddy. C'est ça qui est en train de m'inquiéter. Pourquoi ils ne m'ont pas envoyé un mail? Non, non, nous sommes en train de voir. Un mail C'est d'achat. après qu'on va tester pour voir est-ce que là ça dérange. Sinon, Teddy sera obligé, tu seras obligé de renvoyer le code à Teddy à chaque fois qu'il veut créer la réunion. Oui, en fait, nous sommes en train d'expérimenter. Voilà, est-ce que je peux arrêter cette réunion? Pardon. Oui, vas-y, tu peux arrêter. J'ai Ah, reçu le code. vous avez d'abord déjà reçu l'invitation. Oui, j'ai reçu. D'accord, ok. Attends, je regarde chez moi. My project. Bon, s'il a reçu, j'ai aussi reçu, je suppose. Si Ouais, tu m'as j'ai donné la reçu. bonne adresse.
Ok, Non, parfait. non, je donne tout la bonne adresse. Ok, c'est bon, donc j'arrête donc la diffusion ici. Ça marche. On se dit à tout à l'heure. Mais après, moi, je fais comment? Non, non, toi reste. Tu vas maintenant nous activer. Voilà, regarde un peu. Oui. Dès qu'on va accéder, regarde en bas. Tu vas nous voir en surbrillance. Oh, et dès que tu passes un peu avec ton curseur, tu vas voir ajouter à la diffusion. Tu cliques là-dessus. Où ça? Sur quelle rubrique? Parce que regarde. je vois Non. désactiver le son, je vois Non, arrêter regarde un caméra, peu. je vois paramètres. Regarde un peu. Non, voilà. Tu vois là où il y a ton animal, non? IML Founder. Passe un peu ta souris légèrement dessus. Passe un peu. Tu vois, on dit ajouter à la À la diffusion. Oui, diffusion. toi-même, ajoute d'abord toi-même. Voilà. Tu vois déjà, tu es déjà là. D'accord. Maintenant, nous autres, on va venir. On va donc s'aligner à côté de toi. Tu vas aussi passer Ça le va curseur là. venir en surveillance. Hein. Oui, en surveillance. Et tu nous ajoutes et on sera en live. D'accord. Donc, Alors, les petits trucs du bassin. oui, non, à côté de ta photo là, ma photo va aussi apparaître, celle de Teddy va apparaître aussi. Ça marche. Ok, à tout de Ok. suite alors. Ok, j'arrête la diffusion sur YouTube chez moi.